facile, certes. Lucas. Allez. Second poteau, Pavard. This is Sparta! T'arrives à un boulot pour moi? Ok, alors on appelle mon bureau. Ok, en italien. Ciao, comme est-ce pas? Alhamdulillah. Ça va. Vous les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. Viens donc avec moi sur l'autoroute, on va voir. Je t'ai vexé. Je vais te faire exploser ta Peugeot. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Alhamdoulilah. Salam alaikum les gens, bassin vénitieux 6-9-2. Radio Halib, confinement, c'est la merde, ça y est. Alors, bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Début de semaine, pète sa mère en mode. Y'a quoi à faire le soir? À regarder des films? On s'en bat les couilles. C'est radio, c'est rendez-vous ici. Ah là là, bien, il est là. Bah ouais, il est là, grâce à vous. Grâce à nous tous, on est là, on est opérationnel, on est présent. Alors merci d'être là, aujourd'hui on va faire parler des femmes un petit peu. Alors, on va pas demander la taille ou le poids et tout, comme ça. Bon. Mesdames et messieurs, c'est officiel, ils ont trouvé le prétexte pour attaquer la Turquie. C'est moi qui vous le dis, vous allez voir. Les paris ils sont ouverts. Allez, c'est bon. Après, il y a certains frères turcs qui vont me dire, mais non... Nous, on est l'entrée entre l'Europe et l'Asie. Non, nous, mais ouais, non, nous, on fait 4 mi-temps sans ballon de foot. Ouais, nous. Mais non, les frérots, justement, c'est pour ça. Ils ont trouvé le prétexte. Ça y est. Demain, crise européenne. Demain, la Turquie est une menace. Demain, blablabla, blablabla. Ils attaquent. Moi, je pense. Bon. C'est mon avis personnel. Espérons que non. Bon, à part ça, ouais, à la bien, on est pépère, on est là, on est tranquille. Alors, évidemment, mesdames et messieurs, bientôt, tirage au sort en direct pour la PS5 et un Thermomix. Alors, ne vous inquiétez pas, tous les détracteurs, là, ça fait 5 ans que vous êtes un peu sur mon paf, j'en ai même plus, tu vois. On va vous la mettre dans le cul, comme d'habitude. On va montrer en direct, il va le recevoir chez lui, il va l'ouvrir. Ouais, je l'ai reçu, pète sa mère. Ouais, tout en direct et tout, voilà, bien. Vous inquiétez pas, on va vous la mettre, comme d'habitude. Et sans vaseline, hein. Voilà, donc c'est pour ça que abonnez-vous aux nouveaux membres. Vous abonnez, c'est grâce à ça qu'on va acheter un Thermomix, une PS5, chaque mois, si on peut, Inch'Allah, avec plaisir. Bien sûr, eh oui. Bon, très bien. Alors, attends. Il faut qu'on parle un petit peu. Là. Attendez. Attendez que je m'y retrouve. Attendez juste que je m'y retrouve un tout petit peu. Non, pas ça. On va pas commencer par là. Attends, bouge pas. Voilà. Tiens. Encore un attentat. Évidemment, ils ont dit qu'ils ont crié à Allahu Akbar ou pas? Les paris sont ouverts. Hein. Non, c'est pas là. Ouais. On va essayer de changer de débat parce que, wallah l'azim, qu'est-ce que ça prend la tête et tout à la fin. Franchement, ça, c'est écœurant. T'as même pas envie. Tu allumes la télé, t'as même pas envie de... Ouais, mon sosie sur Snap, c'est un russe. Il a la même gueule, j'ai collé quand je l'ai vu, j'ai dit mais non. Ouais. Attention, hein. Ah. Allô? Ah. Allô, Selem? Allô? Allô, bonsoir? Oui, bonsoir.
Tu m'as donné ton numéro, tu voulais réagir sur la radio ou je me suis trompé? Putain, la connexion, elle est vraiment pas terrible. Ah d'accord, alors attends. Essaye de... Voilà, essaye. Ah, bon, allez, bon. Bon. La connexion, elle est pas terrible. C'est pas la peine de venir me dire sur Snap la connexion, moi je t'entendais bien. Bon, après, peut-être que c'est la nappe. La pression? Non, faut pas avoir de pression, jamais de la vie. Alors, attends. Voilà. Ah, c'est généralement les problèmes qu'on rencontre. Donc, vous êtes au courant que vous n'avez plus le droit... Enfin, vous avez le droit de filmer une action où il y a la police, mais vous n'avez pas le droit de le mettre sur les réseaux. Ça veut dire que tu le gardes sur ton phone. En gros, ils vont nous casser le cul. Et puis, une fois que cette loi elle est passée, on pourra lancer l'opération Ronce. Eh ben ouais, tu pourras plus les filmer, mettre sur les réseaux, quand ils vont venir nous démonter. Eh ouais. Tout se passe comme prévu. Wallahi l'adim. Wallahi l'adim, c'est une catastrophe ce pays. Mais bon. Ah, ça devient le bordel. Mais oui, on accélère le chaos. Dégel, il va venir. On accélère le chaos. Bah oui, bien sûr. Parce que lui... Bonjour. Vous... Wallahi l'adim. Wallahi l'adim. Je sais pas quoi vous... Allô? 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 Oui, Selem. Ouais, Selem Bassem, ça va ou quoi? Ça va et toi? Tranquille? Oui, ça va impeccable. Je t'écoute, mon ami. Est-ce que tu me reconnais ou pas? Bon, vous allez pas commencer, Yezeb. Non, Ballon d'Or. C'est-à-dire? Ballon d'Or de Forbach. Ah, c'est toi le Ballon d'Or de Forbach? Ça va ou quoi, Bassem? Dis Wallah. Wallah, c'est moi. J'ai mis une vidéo de toi où t'as pris un rouge à la 90e minute. Mais je sais. T'as mis dans la merde. Ah, mais oh tu t'appelles... Wallahi, je t'ai vu jouer. On m'a envoyé... Où tu m'as vu jouer? On m'a envoyé une ou deux vidéos de toi où tu jouais. Franchement? Ouais. Bon, alors, on va rappeler qui c'est le frère. Le frère, c'est le Ballon d'Or de Forbach. Un jour, il nous a appelés et pendant une heure, il nous expliquait que ça allait mal avec son coach. Le coach, t'as eu un article dans le journal, il est venu, il t'a jeté, c'est bien ça, hein? Ouais. Il t'a jeté le journal devant tout le monde. Tu nous expliquais qu'il y avait des difficultés avec ton agent, avec le coach. Et nous, on pensait que tu jouais en Ligue 1. Je peux parler juste deux secondes. Ouais, vas-y. Wallah, l'autre fois, je me suis rendu compte après, quand je t'ai parlé au téléphone, Wallah, sur certains... T'avais raison. Quand je parlais, quand je m'exprimais, j'étais trop à fond dans le truc. Non, mais parce que t'aimes le football. Oh, moi, je t'ai dit, je t'ai vu jouer. Tu te démerdes. Voilà. Tu es vif. Bon, t'es un peu brouillon, mais tu es vif. T'es vif, t'as un bon placement. Tu fais des bons appels en profondeur. J'ai vu. Bien sûr que je vois. Voilà. Tu sais que t'es au passage à ma radio, dans le 57, là-bas, dans le bled, où ça se finit que en ange. Du de l'ange, asbatange. Non, moi c'est pas de là-bas. Moi. Voilà, donc toi, après on m'a envoyé des vidéos de toi. Et puis voilà, j'ai vu. Alors, où est-ce que tu en es? J'ai vu que t'avais pris un rouge. Est-ce que t'es dans l'effectif? Oui, je retourne à Forbach. Ouais. Et vous jouez en quoi là-bas? Ouais. Et ils sont en quoi là-bas? Ils sont en quoi? En Régional 1, on est maintenant. C'est l'équivalent de quoi, la Régional 1? Promotion, DH. Honneur Régional? Non, DH, DH. En honneur de CFA 2. Ouais, honneur DH. Ah, bien. Mais c'est DH, en dessous de National 3. Ça va quand même, c'est le plus haut niveau régional. Ouais, c'est le plus haut niveau régional, juste en dessous de National 3. Quoi. Ouais, d'accord. Eh ben, très bien. Et vous en êtes où au classement? Vous jouez encore, là? Non, là, tout qui est arrêté, là. Putain de merde, ce corona de merde.
On pourra pas voir les exploits de l'avant-centre de Forbach. J'ai vu, hein. Tu as mis un but, deux ou deux en plus. Hein. J'ai vu la feuille de match, le frère, il a marqué. Non, tranquille, tranquille. Comment tranquille? Je sais que maintenant je vais faire un truc, on va t'envoyer des vidéos. Non, mais je sais pas pourquoi tu as reçu le rouge. En plus, tu étais énervé et tout. Non, je t'ai pas énervé. J'ai fait un tacle bête. Ouais. Ouais, bête, c'était bête de ma part, un tacle bête. Bon, très bien. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Il y a des clubs. Comment ça se fait que tu es retourné là-bas? Tu m'as pas dit qu'il y avait un club et tout allemand qui était. Qui te Non, regardait c'est un peu? toi qui m'avais parlé de l'Allemagne. Ah, quand je t'ai dit, ouais, tu devrais aller faire un essai là-bas. Ou au luxe. Voilà, c'est ça. Ou au luxe. Ouais, mais je suis là, à Forbach, je suis bien, là. T'es bien. Villa, piscine. Audi RS7. Arrête. Non, arrête. Non, je suis bien. Je suis bien. Je suis content. Ça me fait plaisir. Je suis bien dans le sens là. Le plaisir. Frère, t'es sous contrat avec eux? Non, j'ai pas de contrat, j'ai rien. Non, non. Ils te donnent pas de thunes, ils te donnent pas de prime de match, ils te donnent pas de... Si, ils me donnent un billet. Mais j'ai pas de contrat, rien, c'est juste j'ai un billet, c'est tout. T'as un talent gâché, frère. T'as un talent gâché, mon hein? frérot. T'as un vrai talent gâché. Je veux être ton agent. Moi, non, j'ai arrête, des touches arrête. À West Ham. Bassem, je t'ai appelé comme ça pour qu'on discute, et là, tu vas y arrêter. Frère, arrête de faire la star. Arrête, stop ici. Zama, là, t'as gagné en humilité. Zama, t'en as pris dans le cerveau un petit peu. Genre, tu touches l'oreille. Tu touches l'oreille en disant, ouais, on fait pas les mêmes erreurs. C'est comme les joueurs de foot. La première fois que tu m'as appelé, la tête de ma mère, est-ce que tu t'as entendu parler? On dirait que tu jouais au New Camp. Ton entraîneur, c'était Louis Van Gaal. Tu me parlais de ton coach, on dirait que c'était Louis Van Gaal, frère. Hachem. Jürgen Klopp, t'es là. Toi, tu fumes des clopes, toi. Non, après tu me dis arrête, Bassem. Attends, qui c'est? Maintenant, le ballon d'or de Forbach, il est connu dans toute la France, frère. Ah, oui. Tant mieux, non? Tant mieux, bah ouais. Alors attends, est-ce qu'on t'a reconnu un peu dans la rue ou Winwood de Halibuz, non? Non, les bonhommes, ils savent qui je suis. Aïe, 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 aïe. Ils savent qui je suis. Philippe Maurice, ils savent qu'il manque un petit bout de cerveau. Non, il te manque pas un petit bout de cerveau, je pense que tu... Envoie-moi non, une vidéo, rigole. Toi. Comme ça, je vais la mettre et tout. Envoie-moi. Envoie-moi ta vidéo. Une vidéo de toi où tu marques un but. Ou... Ah oh, ouais. Vas-y, t'inquiète. Envoie-la moi, comme ça, je la mets sur Snap et on te présente un peu. Et peut-être que le... Le peut-être qu'un club il aura les yeux. Le bah ouais, un club eh ben, autrichien, un club roumain là-bas, un club ukrainien là-bas, frère. T'arrives, tu travailles et tu joues au foot. Bon, frérot, merci beaucoup. Prends soin de toi. On se dit à la prochaine. Le ballon d'or de Forbach. Oh là là, il nous a victé de lui là. Allô? Allô, c'est Malcolm. Malcolm Salem? Ça va ou quoi? C'est Harry Carglass, encore une fois. Je sais pas qui c'est, Harry Carglass, je me retrouve plus. Je sais pas, vous voulez quoi? Pourquoi vous passez dans ma radio? En fait, j'arrive pas à comprendre. Là, allez, vas-y. On connaît la procédure maintenant. Allez, vas-y. T'as vu, il y a Clévry, Harry angle droit, ratable et tout. On connaît. Okay. C'est quoi le sujet du soir, quoi? Il n'y a pas de sujet du soir, c'est libre. Bon, ben. Du coup, je passe à la room vite fait aussi, ouais, j'aimerais passer un petit coup de gueule vite fait. Bon, comme nous tous, hein, le confinement, il nous arrête bien, hein. Deuxième reconfinement, là. Ça rend fou, là, tous nos plans, ils ont été gâchés. Frère, je devais trouver un stage, je fais une formation dans l'usinage. À la dedans et tout. Déjà, c'était la galère. Parce que les sous-traitants et tout de. Ils venaient de reprendre les commandes et tout. Bah, ouais, le reconfinement. C'est mort, mais... C'était... Ouais, alors c'est mort. Dis-toi qu'avant, j'ai appelé, frère. J'ai fait 52 entreprises, presque. Ils m'ont tous dit, ouais, faut... Genre, en gros, la majorité, ils prenaient pas, tu vois. Et là, non, mais là, c'est mort, frère. Wallahi l'adim. Wallahi l'adim. Les gens... Regarde,
Regarde, par exemple, comme Adil. Adil 9-4, Inch'Allah, un camion Norbert, il te tombe dessus. Quand il y a des gens qui disent, mais on s'en bat les couilles de sa vie. Mais tu t'en rends pas compte de ce qu'il vient de Ça dire va vous là. arriver, vous aussi, oui. Attends, dans 6 mois, vous êtes tous en train de mourir. Vous allez péter la dalle. Vous mesurez pas la catastrophe industrielle qu'il y a avec le Covid. Là, vous le ressentez pas encore. Attends, passe les fêtes tranquille. Fais les fêtes. Tu vas Il voir est vers consommé là. avril-mai. Là, Avril-mai, vous allez voir s'il y en a. Ils vont aller à la plage en été. Vous allez voir. Prenez ça à la légère. Allez-y. Ah oui, là, Ouais. regarde, chauffe, chauffe, chauffe. Ils vont bien consommer là. Là, on va les ressortir en mois de décembre. Il y a tous les moutons qui vont bien consommer, bien rapporter de l'argent. Et hop, là, reconfinement. Et c'est là que je pense que ça va vraiment commencer. Déjà, ça commence là. Là, je pense quand ils vont reconfiner. Après le mois de décembre, là, je pense d'ici le mois de janvier, février, là, ça va commencer. Là, les gens, ils vont commencer à ressentir. Eh Mais oui. moi, quand je vois des gens qui me disent, c'est quoi la solution? Que voulez-vous qu'on vous dise? La solution, la seule que je peux vous donner, et peut-être que notre subconscient n'est pas préparé à ça. Comme notre subconscient ne peut pas mesurer, ou notre cerveau ne peut pas imaginer ce que c'est l'éternité. Est-ce que tu sais c'est quoi l'éternité, toi? Toi, tu peux mesurer 10 ans, Évidemment. 20 ans, au maximum. Mais imagine l'éternité. C'est-à-dire, toi et moi, là, on parle pour l'éternité. Ça veut dire que même notre cerveau ne mesure pas ce que c'est l'éternité. On va tous Ah mourir. oui, on est trop limité. Évidemment, c'est pour ça que les gens, on leur L'important, parle c'est de la mort et l'au-delà. tout, ils y Wallah, croient. au Mais point oui, où on en c'est est, important. on sait comment on va finir. Au point où on en est, l'important c'est l'au-delà. L'au-delà est éternel. C'est pas réducteur ce que je vous dis. Ouais, mais lui il dit ça, mais on va faire comment pour manger? On va faire comment? Il résout pas les problèmes au quotidien, mais on est Et comme mort. on joue pas, de toute façon, on On va est se crever, mort. on va se finir dans un On trou. est Et oui. mort. Alors, quand je dis on est mort, bien sûr qu'on va se battre. Autant pisser dans un violon. Dieu, tu vois? Non, mais on est mort. Ça y est, ils nous ont mis des filets. C'est mort. Allez. C'est mort. Tu marches dans la rue. Conforama. Ah non, c'est chaud là. Je vais à C'est Conforama. chaud. Je voulais regarder un truc. Le mec, il me dit, là où il y a les trucs, t'as pas le droit de rentrer dans les rayons. Mais c'est une mascarade. Genre, t'as pas le droit de rentrer dans les rayons. Tu commandes un truc Je sur vais le dire quelque net chose. et tu viens, c'est une Regarde, je vais dire quelque catastrophe. chose. C'est n'importe quoi. Bah, c'est, regarde, je vais aller encore plus loin. Ça fait froid dans le dos, tu vois. En fait, j'ai fait des chantiers de nettoyage et tout. Tu vois, je suis passé dans un magasin, c'est que pour les professionnels. J'ai pas le nom, tu vois. J'ai accompagné chef de chantier et tout. Je suis allé chercher la salaire et tout. Frère, magasin, il n'y a que des professionnels. C'est un grand magasin. Normalement, t'as du monde, frère. Les gens, le matin, ils vont se réapprovisionner. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. C'était Mais vide. le seul espoir que j'ai, le seul rayon de soleil qui pourrait arriver et qui pourrait freiner, quand je te dis freiner, mais même freiner un certain temps, parce que ils vont le finir. Mais si Trump est réélu demain, je pense que ça peut mettre un peu de bâton dans les roues à leur plan. Mais temporairement, parce que lui, ils vont l'éjecter plus vite que prévu. Les Simpsons, ils l'ont Ah mais prédit, je vois, évidemment. ça fait des mois, j'observe, je te jure, ils veulent le faire tomber. Alors pourquoi, je sais pas. Ils veulent le faire tomber, ce mec. Mais parce Ah, ils ont commencé. Quand il y a eu les BLM, j'ai compris, tu vois. Après, il y a Joe Biden. Après, je vois les campagnes anti-Trump. Après, je vois que Trump, il investit. Et tu sais que Trump, il a investi énormément depuis qu'il se fait lyncher. Il a investi énormément dans sa campagne, là. Dans sa deuxième campagne. Mais Ouais. ils veulent clairement le faire dégager. Mais demain, je pense que Trump sera réélu. Et qui sait qui l'aura sauvé, c'est sa communauté blanche. Parce qu'on finit toujours Alors par là, rentrer à la clairement, maison. Moi, j'ai tu bien regardes aimé les quand il a dit rodéos là. Stay Ah oui. here. T'sais, il est venu avec sa gouffa. Il a dit aux extrémistes blancs. Il leur a pas dit arrêtez ce que vous faites. Non, il leur a dit stay here now. Il leur a dit restez là, attendez, attendez votre tour, attendez. Donc Trump, mais le problème, c'est que
Alors, j'ai pas envie d'être Il a... dans la vanité, mais j'ai envie de te dire que des fois, des gens comme toi, des gens comme moi, des gens qui réfléchissent un tout petit peu avec tous les défauts qu'on a, des fois, j'aurais voulu être encore plus bête. Parce que rien n'est pire que quand tu devines que le de truc et connaître la tu sais ce qui vérité. va arriver. Et tu sais ce qui Plus t'en arrive. connais, plus t'es... Mais Eh bien sûr, oui, tu sais évidemment. ce qui arrive. Tu sais qui est qui. Aujourd'hui, il ne se cache plus. Wallah, il Eh ne se cache plus. oui. C'est la vérité. Eh ben, Il y a il plus, y en a, ils me de... disent, pourquoi Trump, il va faire échouer leur plan? Parce que Trump est con. Trump est un Américain typique. Gros V8, Dodge Challenger, un ranch au Texas. Il a 1200 ans, il a une femme, elle a 30 piges avec des seins comme ça, en plastique. C'est le vrai Amerlock, le mangeur de Ah hamburgers. oui, tout à Il fait. est con, Ah oui, parce le qu'il est jour où les con, cuisiniers, ils ont fait la justement. grève. C'est ça qui pourra leur mettre des bâtons dans les roues, parce qu'il est con, aux Évidemment. commandes de la première puissance mondiale, à ce qui paraît. Mais tu vois comment il est passé, comment il a gagné ses premières élections. Oh, va voir ses discours. Oh, le mec, on aurait dit un influenceur. Il est venu, aucun mot compliqué. Le gars, il fait un discours simple. Même un Wallah, enfant de 3 ans, il comprend. C'est Trump c'est l'influence. Il a, il a de Biftanen. l'influence, ce mec. Trump c'est Biftanen dans Retour vers le futur. Allez vite ton sac gamin, dis-moi comment t'as eu ce bouquin. Oh là là, Biftanen. Mais qu'est-ce que... Non, non, c'est Biftanen. C'est le profil typique. Biftanen. Mais bon, après... Non, moi je suis inquiet par rapport à nous ici. Oh là 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 là, putain, la Ah oui, non, boucherie annoncée. non. Oh, D'ailleurs, tu sais je... ce qui va se passer? Il va avoir des guérillas urbaines dans la rue. Ça va se cacher derrière Eh un oui. arrêt de bus. Les gens, ils vont se tirer dessus. Ils vont... Ah, ça va être American Nightmare. Mais Il toute y en a la plein qui journée. veulent ça. Même dans les plateaux télé, il y en a clairement, ils appellent, ils disent, ouais, prenez les armes, mais c'est grave. Mais non, ils se cachent même plus. Ceux qui veulent la guerre civile, ils se cachent même plus de sur les plateaux télé. Oui, bien sûr. Et ça commence là. Là, je suis sûr et certain. Je vais pas faire de la pub, mais c'est sûr et à 100%, il y a déjà des groupes qui se préparent. Alors là, j'en suis sûr. Mais il y a des groupes qui se Il préparent, faut se ça préparer. on le sait, mais il y a En aussi, il y a France. ça en France aussi. Et pour masquer tout ça, il va avoir la mutation du Covid-20 en 21, bien sûr, parce que c'est un millésime maintenant. Hein? Tiens, prends ce Covid-20, il était meilleur que le 2021. La mise à Que jour. non, moi je suis dépité parce qu'on nous prend pour des cons. On nous prend pour des cons. Beaucoup de gens suivent malheureusement. Wallahi l'adim, on nous prend pour des cons. Et ce qui me fait le plus peine, c'est quand tu roules en voiture et tu vois les gens appliquer à la lettre ce qu'on leur dit. Les pauvres. Les pauvres. Appliquer Moi, ce qui à me la fait pitié, c'est lettre. surtout laisser les gens parano. Eh ouais, tu le vois appliquer. Tu vois, Mseken, les vieux, ils comprennent pas. Frère, mais Ils ont les pas vieux, ils le comprennent pas, recul. bien sûr, mais regarde. Hier, je commence à regarder un match de foot. Lyon-Lille. Les arbitres, ils sont rentrés avant les joueurs. On a attendu une minute pour que les joueurs rentrent équipe par équipe. Tout ça pour les gestes barrières de Covid. Et 2 minutes plus tard, il y avait un arbitre qui brandissait un carton. Wallah, il était à ça de lui en lui expliquant les choses. Oh. Faut prendre non, mais faut y arrêter. On Combien aurait de dit, ils font temps? de la publicité, Non, mais Omar. On combien de aurait temps dit on de la va publicité de supporter l'État ça? C'est sur les. dégueulasse. Ouais, c'est grave. C'est dégueulasse. Nous prendre pour des cons comme ça, c'est dégueulasse. Dégueulasse, frère. Wallah, c'est dégueulasse. Mais bon, ça va être dur. Très, très dur. Moi je dis, faut anticiper. Moi j'aimerais vous raconter, j'aimerais finir avec une petite histoire. Ouais. Et d'ailleurs, j'avais trouvé une solution, je voulais en parler la dernière fois que j'étais passé. C'était sur le fait que ouais, la daronne, la Haja, elle sort et tout. Rien que je vous raconte une histoire, tu vois, ça a fait froid un peu dans le dos. Une fois, j'étais au centre commercial. Je vois, t'as vu, il y a la daronne d'un collègue que je connais, tu vois. C'est une Haja aussi, je vais pas la voir, tu vois, par politesse. Mais quand même, je garde à l'œil, tu vois, dans un centre commercial. Je vois, ah, ça, c'est la daronne d'un collègue et tout. Et là, je vois, il y a un mec à côté, il lui parle, tu vois. Et bizarrement, il fait des signes bizarres et tout, je comprends pas, tu vois. Et du coup, je me dirige vers elle pour voir ce qui se passe. Et justement, à ce moment-là, le mec, il part, tu vois. C'était un mec qui avait la cinquantaine et tout. Là, je lui dis, ouais, c'est Maïkoum, Ouskaïen et tout. Tu sais ce qu'il me dit quoi? Le mec, il est venu.
Ça, c'était en 2015, après les attentats, les premiers attentats de Charlie Hebdo. Le mec, il est venu, il lui a dit, je suis, en la fixant du regard, je suis Charlie, je suis Charlie, je suis Charlie. Et quand je suis venu, il est parti. Là, elle a rien compris, elle était choquée, Miskina. Ouais, je dis, c'est chaud. Là, c'était qu'en 2015. Maintenant, là, il y a une énorme montée d'islamophobie. Moi, je dis, comment on peut anticiper ma solution? On n'a pas besoin. Déjà, faut serrer les coudes, c'est sûr. Mais juste, au moins, ça commence avec des petits détails. T'es dans la rue, tu conduis ta voiture, t'as une hijab passe, tu la gardes à l'œil, tu vois. Le temps de la route, tu gardes à l'œil, tu chauffes, tu vois. S'il y a rien. Ça commence par ça, tu vois. Et moi, je dis, il faut anticiper, frère. Voilà, ça. Là, j'étais à Paname, là. Et moi, je suis du Sud. C'est chaud. Voilà. Ouais. T'as, Donc on rien que va la queue. rester sur il faut anticiper. Alors, Il faut frérot, anticiper. merci beaucoup de nous avoir appelés. Prends soin de toi. On a du monde. On a du monde. Donc on se dit à la Ah oui, bon, prochaine. Selem, là, Merci Selem, beaucoup. là, je laisse les autres Prends parler soin là, de toi. après. Selem, Selem, frérot, Selem. Faut arrêter. Alors attends, attends. Alors, attends. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ouais, Wallah, il allait raconter toute sa journée quand il a pris le cornflake jusqu'à maintenant. Roya, reste sur une bonne note. Bien, Wallah, c'est pas la peine de trop en faire. Non, non, non. Sauvons ce qui reste. Ouais, frère Bosniaque. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, mais vous êtes sérieux? Non, allez, Wallah, 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 vous me dégoûtez. Wallah, l'adim. Wallah. Allô? 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 Des handicapés. Allô? Allô? Oui, Selem? Selem. Je t'écoute. It's Wallah l'adim, je prends des numéros pour éviter ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi toi tu m'appelles tous les jours? Pourquoi t'aimes mon zeub? Pourquoi? Je comprends pas. Si ça vous... Regarde, 81, c'est le même numéro qui m'a appelé hier. Regarde les gens. Allô? Allô? 81, c'est le même numéro. Tais-toi. Allô? Oui, allô? Ouais, ça va, compris, frérot, ça va? Alaykoum salam, ça va et toi? Allô? Allô, salam. Salam. Allô? Allô, allô? Ouais, salam, frérot, je t'écoute. Allez, allez vous faire. Allez, ils sont là, ils sont entre mecs, ils saisissent, il est là, il est là, il est là, il se touche, il est là. Oh là 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 là. Ah vous bande de putes là qui m'ont donné vos numéros toute la journée, vous m'avez raconté vos vies de merde. À quoi ça sert que je prends vos numéros? À quoi ça sert? Khraouette là. Non, c'est trop. Allô. Allô? Salam. Allô? Ouais, pas Sam. Ouais, frérot, je t'écoute. Ouais, j'appelle. Alors, je voudrais parler en fait des relations. J'ai 30 ans en fait et je cherche à me mettre en couple. Et je voulais partager un peu mon expérience avec toi. D'accord, tant que tu partages pas ton lit avec moi. Ouais, alors, tu as 30 ans, c'est-à-dire tu veux te mettre en couple et t'arrives pas à trouver, c'est ça? En fait, je cherche un peu sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, j'ai pas le temps de. Je travaille et j'ai pas le temps de d'aller chercher, enfin, d'aller dehors pour rencontrer en fait l'agent féminin dans les Ouais. bars ou dans les restaurants. Ouais. Donc dans les bars, dans les restaurants, on n'a plus trop le choix, on n'y va plus. Mais c'est vrai que tu as un profil que beaucoup de frères ont.
des profils de gens posés qui travaillent, mais qui sont sur les réseaux parce qu'ils n'ont forcément pas le temps de draguer comme on le faisait avant. Exactement. Eh, tellement vrai. On dirait que je suis sur Énergie 12. Alors, est-ce que dans notre discussion, il va voir ton meilleur ami qui va raconter comment tu galères et tout? Non, frérot, je rigole. Aujourd'hui, tu as de quoi te marier? Est-ce que financièrement? Financièrement, oui. Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire? Ben, enfin, je suis cadre. Je travaille bien. Je touche aux alentours de 3000 euros par mois. Comme je te dis, j'ai 30 ans, je me sens capable maintenant d'assumer un foyer. Et, aïe, 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 et... tout ça avec une voix de gentleman. On dirait, à quoi arrêter? La fine scène a fait sa taille. On dirait Piano Danjo, ma quoi. Toi, tu, putain, toi, tu lui murmures derrière l'oreille, ses vulves, ses lèvres, elles doivent applaudir un peu comme ça. T'arrives par derrière et tu lui dis dans son oreille. Oh là là, putain, elle doit voir les trucs qui s'irisent, ça pointe. Ouais, alors frère, ouais. Est-ce que elle travaillerait pas? Comment? Elle travaillerait ou pas? Est-ce que t'as de quoi pour qu'elle travaille pas? Ben, tu veux dire financièrement, est-ce que je suis capable de l'assumer sans qu'elle travaille? Ouais. Ouais, bien sûr. Ok. Ouais, ouais, bien sûr. Ça me dérange pas forcément, tu vois, si elle veut, par exemple, tu vois, travailler et que, en fait, moi, ma seule condition, tu vois, c'est qu'elle assure, en fait, le foyer, tu vois. De quelle origine t'es, frérot, toi? Maghrébin. Ok, d'où? Maroc. Ok. Et tu préférerais quoi? Tu préférerais une femme, c'est-à-dire, tu préférerais une femme, une maghrébine? Évidemment, hein, oui, oui. Ouais, évidemment. Bien sûr. Ouais, parce que t'as un maghrébin, machallah, qui est en place, autant faire gratter une maghrébine, une fille de chez nous. T'aurais une préférence, t'es nationaliste ou t'es plus régionaliste? Tu préférerais une marocaine dans la logistique, dans le sens où c'est déjà des filles bien, en plus rentrer au bled avec elles, ou t'as pas de préférence pour une tunisienne ou l'algérienne ou... En vrai, franchement, je vais pas te mentir, idéalement, ce qui m'arrangerait le plus, par exemple, pour partir en vacances ou quoi, pour les enfants, ne pas me prendre la tête où aller. Donc, idéalement, je dirais une marocaine. Okay. Après, tu vois... D'où est-ce que t'es du Maroc, frère? Où est-ce que tu habites? Comment? Où est-ce que t'es là-bas, au bled? Au bled, j'habite à Fès. Ok, tu habites à Fès. Non. Frère, je vois que t'es pas un gamin, hein. En vrai, je parle avec toi. Hein. Là, tout ce que tu nous dis, c'est des choses que... Voilà, tu habites bien à Fès, t'es bien du Maroc et tout, quoi. Tu as 30 ans. Ouais, en fait, moi, je vais te dire un peu un truc, Bassem. Ça fait longtemps, en fait, que je te suivais un peu de loin, je t'avoue, donc de très loin même. Et donc, voilà, juste à travers l'actu, j'en regardais des trucs de toi, voilà, enfin... Et après, en fait, au fur et à mesure, récemment, donc je commence à regarder depuis le confinement, tout ça. Et en fait, je retrouve, au début, en fait, pour moi, c'était trop caricatural ce que tu faisais, l'image que tu avais à travers les médias, tout ça. Et après, donc, j'ai commencé à t'écouter, tout ça. Et en fait, je retrouve pas mal de choses de ce que tu dis qui sont vraies. Et surtout, en fait, par exemple, par rapport à la nouvelle génération. Okay. Le maghrébin, je parle. Ok, bon. Ouais, ça, je te remercie. Hein. Ouais, après, j'ai pas la science infuse. Alors, où est-ce que tu habites ici en France? Franchement, honnêtement, je préfère ne pas le dire. Ok, bon, je vais être clair avec toi. Si vraiment toutes les informations que tu m'as dit, elles sont vraies, si vraiment tu es quelqu'un qui travaille, qui est posé, qui si, ça. Montre-moi tes fiches de paye et je te présenterai ce qu'on a. Et on a du missile Scud. Pousse-toi de devant. Voilà. Une femme de la TH, ça se mérite. Sur la tête de ma mère. Montre-moi tes... Regarde, moi je te prends en mot devant les gens là. Je connais énormément de sœurs qui en valent le coup.
et qu'ils attendent que ça. Si t'es un mec, tant que tu ressembles pas à un pare-choc de Twingo, tant que t'es là, t'es opérationnel, tu dégages de la Rachel attitude, et pourquoi pas? Nous, on a ce qu'il y a. On a de taille 34 jusqu'à taille 44. Donc, tu regardes. Non, si vraiment ça en vaut le coup, tu m'envoies tes fiches de paye. En fait, moi, Bassem, tu vois, pour dire que là où j'étais d'accord avec toi, en fait, c'est que si tu veux, je commence à chercher en fait des profils, comme tu dis, donc tu cherches un peu dans ta caste. Et en fait, donc tu cherches dans mes critères sont simples, hein, une maghrébine qui travaille, on va dire, dans une bonne situation professionnelle. Pas non plus un truc de dingue, tu vois, qui a forcément le même niveau que moi ou quoi, pas forcément, mais financièrement, tu vois, qui peut être, voilà, tu vois, tranquille, enfin, financièrement, qui s'en sort dans la vie. Ouais, toi, ouais. En fait, tu veux une femme qui est un peu branchée, une femme qui a sa situation, une femme qui travaille, une femme qui est un peu dans le move, une femme qui se fait livrer par Uber Eats, ouais, non. Non, justement, ça prend sushi, Non, justement, je t'explique. Parce que moi, en fait, je suis né au bled. Tu vois, donc, en fait, par exemple, tu vois, quand tu parles de valeurs, tout ça, là, en fait, moi, j'ai grandi avec ces valeurs, tu vois. J'ai grandi, frère, à Fès. À Fès, c'est une très grande ville au Maroc. C'est la capitale culturelle. En fait, on a vraiment, tu vois, les traditions du Maroc, tout ça, ça vient vraiment de Fès. Donc, on est vraiment... Je veux dire, franchement, c'est pas pour la prétention ou quoi, mais vraiment, on a des bonnes valeurs, tu vois. On retrouve vraiment la tradition arabe, tu vois. Machallah, vous avez super tradition. Fès, c'est connu pour être, je crois, l'une des villes les plus anciennes musulmanes, je crois. Je crois, hein, je suis pas sûr. Fès aussi, qu'est-ce qui se dégage de Fès? C'est un bon peuple, bon chaud. Machallah, c'est des gens bien. Khir mennes. Et il y a aussi Itcharkle. Comment ? Itcharkle pour rien là-bas aussi, Itcharkle. Et il y a aussi ce qui est bien dans vos traditions, les femmes, les costumes qu'elles mettent lors des mariages. On dirait des Transformers, frère. Exactement. Ou des rochers, un Ferrero Rocher. Wallah, on dirait des Transformers. Les tenues Fessia, c'est... Ouais, ouais. Voilà, c'est la tenue Fessia. Exactement. En fait, voilà, c'est pour te dire ça. Donc, les valeurs dont tu parles, moi, j'ai grandi avec. Et le problème, c'est que quand tu... Enfin, moi, voilà, je fréquentais en fait, un peu cette maghrébine, cette caste. Ben, en fait, c'est pas du tout... ça, c'est vraiment pas du tout dans le menu. C'est vraiment exactement ce que tu décris. Ça veut dire le comportement de la... la bourra, tout ça, tu vois. C'est vraiment... C'est affligeant parce que... Parce qu'en fait, premièrement, elles sont très, 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 très vicieuses. Qui ? En fait, ce genre de profil, les bebeux. Ah ! Les bebeux de cette caste. Et, honnêtement, c'est... Moi, de mon expérience, ce que j'ai appris, c'est que... Après, je veux pas généraliser, je parle de mon expérience, tu vois. Je veux pas généraliser non plus. Hein. Mais c'est quoi ton expérience ? En fait... Frère, moi, j'ai l'impression que... Que certes, ouais. Tu as eu des expériences avec des femmes et tout, mais on va dire que tu as été un peu blessé par leur comportement. Tu as craché dans la soupe, en gros. Blessé, pas du tout. Vraiment pas du tout, parce que pour moi, tu vois, ça fait partie du chemin d'apprentissage. De connaître un peu la femme, tu vois, parce que, de rencontrer plusieurs profils, cerner en fait lequel te correspond le mieux. Parmi ces profils-là, pour moi, tu vois, c'est pas forcément... Non, il n'y a aucune blessure, rien du tout, franchement. Alors pour toi, genre, toi, tu te dis, je préfère, c'est bien, hein, je préfère voir plusieurs profils pour voir celle qui me correspond. Donc, dans ces profils-là, tu mets, que ça soit le côté psychologique... psychique, le côté psychique de la femme et le côté physique aussi. En gros, tu peux passer d'une femme à une autre qui n'ont pas du tout le même corps, qui n'ont pas du tout le même état exactement. D'esprit. Ben, c'est grave, bref, erreur. Moi, je suis fidèle. Tu sais pourquoi je suis infidèle? Parce que tous mes profils, c'est les mêmes.
congélateur, grosse cheville, Marlène Chapia, voilà, tu vois, c'est tout. Moi, je te dis la vérité, je ne pourrai jamais draguer des femmes qui physiquement ne se ressemblent pas. Ça n'existe pas, ça. Elles ont toutes le même profil. Après, c'est la tête qui changera et son histoire, bien évidemment. Mais moi, elles auront toutes le même profil. Toutes le même. Et les gens comme moi, on est des gens fidèles parce que même quand on va au restaurant, on mange toujours les mêmes plats. C'est comme ça que tu les vois, les gens fidèles. Les gens qui passent du coq à l'âne avec des femmes, comment tu fais pour un jour jouer à la pâte à modeler et l'autre jour tu joues aux osselets, frère? Il n'y a que les chiens pour jouer avec les os. Enfin, en fait, je pense qu'il y a une mauvaise interprétation. Quand tu passes du coq à l'âne, c'est pas aujourd'hui j'ai un rendez-vous avec une et le lendemain avec une autre. C'est absolument pas ça. C'est que j'ai un rendez-vous avec une, j'apprends à la connaître. Et une fois que ça s'arrête, bah, après, je cherche une nouvelle lettre, tu vois, une nouvelle relation. D'accord. C'est pas... Non. Après, en fait, voilà, tu vois, et, moi, je dis, enfin, mon expérience. Et franchement, des fois, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois où j'ai vu des cas, honnêtement, où j'ai... Par exemple, le premier rendez-vous dans un resto, un truc comme ça, c'est... Je retrouve, en fait, certaines, par exemple, tu vois, où... La fille, en fait, elle est bon, déjà physiquement, tu vois, les photos qu'elle avait mises sur son profil ne correspondent absolument pas à la réalité. Par exemple, tu vois ça, c'est une Twingo. On sait tous que les femmes, en réalité, sont toujours plus moches que les photos. Parce qu'elles savent prendre des photos, les femmes. Nous, les hommes, on ne sait pas prendre de photos. C'est pour ça qu'on est toujours mieux en vrai. Bon, il y a aussi une chose qu'il faut se dire lors du premier rendez-vous, c'est primordial. C'est-à-dire, la première prise de contact est primordiale avec les gens. Et ça, aujourd'hui, les hommes ne savent pas faire. On ne sait plus draguer les femmes parce qu'on ne nous a plus laissé le choix. Et surtout, on ne sait plus tenir une discussion avec une femme. Tenir une discussion avec une femme, ça veut dire qu'à la fin de la discussion, t'es tellement fort que tu connais son nom, son âge et où elle habite sans lui avoir demandé. Si tu réussis à faire ça, t'es un bon. Si tu réussis à faire ça, c'est comme si que quand tu rentrais d'un premier rendez-vous et dès que tu reçois ce message, tu es bien rentré, ça veut dire que tu vas lapiner. Sûr. Si elle t'envoie ça, ça veut dire que tu lapines. Franchement, Bastien, voilà. Tu vois, sans prétention, les premiers rendez-vous, sans prétention, ça va. Franchement, j'arrive à gérer. Et franchement, ça va. En fait, c'est pas... Là où je veux en venir, en fait, c'est... Du problème, en fait, c'est qu'en fait, dans cette caste... Alors, une petite parenthèse. Il y en a, ils me disent, donne la technique. Elle est simple. Au niveau du nom, tu la regardes et tu lui dis... Tu me fais penser... à une actrice qui s'appelle... ou un exemple. Tu me fais... T'as la même tête que la joueuse de tennis, Anna Kournikova. T'as bien une tête à t'appeler Anna, toi. Et elle, vu que c'est une hamara, elle va te répondre, ah non, moi je m'appelle comme ça. Elle t'a donné son nom sans que tu lui as demandé. Eh ouais, les mecs, faut y aller, hein. Bah oui, on a été formés à la bonne école. Voilà, donc, c'est vrai. Ouais, je suis tout à fait d'accord, frère, mais il y a un vrai problème. On ne sait plus draguer. En fait, là où je voulais en venir, en fait, c'est... Donc, bon, à part donc, ce profil vraiment qui est similaire, tu vois... Donc, moi, en fait, je me dis, est-ce que je continue quand même à chercher dans cette caste, dans ma caste, tout simplement, ou... et sinon, en fait, comment chercher ce type... Ce profil, enfin pas forcément de la bebeuche par là, hein, je parle de trouver son partenaire, et hors les réseaux sociaux, aujourd'hui comment faire? Tu peux pas. Moi par exemple, tu vois, j'ai mes parents qui habitent pas dans la même ville là où je travaille, je parle hors contexte du confinement, hein. Et par exemple, tu vois, donc chez mes parents, je peux pas rencontrer enfin, mon partenaire, je veux dire à travers la famille. Mes amis, je compte pas du tout sur eux pour qu'ils me présentent quelqu'un.
Donc, enfin voilà, tu vois, comment, à part les réseaux sociaux, finalement, tu vois, il n'y a pas trop de moyens. Il n'y a pas trop de moyens, il n'y a que ces moyens-là et les réseaux, maintenant, c'est un ramassis de merde. À moins que tu portes tes couilles et puis tu demandes à ta mère qu'elle te trouve une. Après, bon, maintenant, c'est vraiment aléatoire. Les rencontres, c'est vraiment aléatoire. Mais moi, j'ai envie de te dire que malgré toute ta bonne volonté, je sais que tu es un coureur de jupons, tu es un menteur, tu es un mec qui adore les chattes. Et parce que si vraiment tu aurais voulu te poser, je pense que tu l'aurais fait. Mais t'aimes bien, toi. Toi, t'aimes bien goûter un petit peu aux femmes et tu te plains Non, mais après. Quand. tu veux dire sur quel critère, enfin, Bah, quand on veut, on pourquoi? peut, frère. T'as le profil. T'as même la voix de Barry White. Et t'arrives pas à te poser, rouya? Non, quand on Non, veut, on peut. Je sais pas si tu vois ce que mais... je veux dire. Arrive à un moment, mes frères, faut arrêter. Des maghrébines, il y en a plein. Des filles bien. Non, Mais non, non. vous faites les aveugles, vous. Toi, tu préfères Non, non. Kenza de Pattaya, Inès AMG. Ouais. Ouais, Là, bon. franchement, je veux pas dire, enfin, moi, je pense que tu te trompes parce que c'est pas. D'abord, franchement, je veux bien me marier, tu vois. Et après, le problème, c'est que moi, je dis, en fait, donc, durant toute ma vie, j'ai toujours pour moi, tu vois, considéré le mariage comme quelque chose d'important dans le sens où j'ai jamais été fan. Par exemple, tu vois, j'avais des amis qui étaient mariés, par exemple, à 19 ans. Moi, je me voyais pas comme ça. Je me suis dit, non, à 19 ans, par exemple, ou 18 ans, ou 20 ans, même, ou voire même 22. Je me suis jamais senti, tu vois, responsable pour assumer un foyer. D'accord. Et tu vois, jamais. Et du coup, c'est pour ça que je me dis, ok, ben, je vais me poser, mais par contre, j'ai pas du tout envie de me poser avec n'importe qui. Tu vois, par exemple, quand je dis me poser avec quelqu'un de ma caste, franchement, c'est pas sur le côté financier. Non, mais j'ai Moi, c'est compris, frère. Ce que surtout j'essaye sur de le te côté. dire, non, ce que j'essaye de te dire, c'est que c'est très bien. Wallahi, dans tout ton parcours, dans tes réactions que tu as eues, c'est très bien de penser comme ça. Aujourd'hui, tu veux te poser avec une femme de ta caste. Alors évidemment, les matérialistes et les vénales de merde, ils diront, oui, ils pensent financier. Non, caste dans le cerveau aussi. Faut que la femme, elle a du répondant, elle parle de choses, elle connaît ses classiques et l'histoire. On va pas parler à une Hamara qui connaît que les musiques de PNL. Je sais pas si tu vois. C'est ça, être de la même caste. C'est pas forcément financier. Et là, je te rejoins dessus. Mais Rouya, t'as le profil. T'as un appart. Tu travailles. T'as 30 ans. Qu'est-ce que t'attends? Me dis pas que t'arrives pas Non, à trouver. Wallahi, tu peux c'est pas trouver. que... Non, là, en vrai, franchement, je vais pas te mentir. C'est pas que j'arrive pas à trouver. Pour le moment, j'ai pas trouvé encore la bonne. Après, franchement, moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Je pense que, inchallah, ça va venir, tu vois. Mais par contre, tu vois, c'est juste que, en fait, j'ai été surpris, tu vois, de voir. En fait, moi, je pensais quand même, tu vois, qu'une Arabia, en fait, quand elle réussissait un petit peu, on va dire, au niveau des études, tout ça, enfin, je me trompais, tu vois, forcément, mais je pensais que que ça allait être des filles bien. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment la fille qui a été à la fac, qui a retrouvé en fait une liberté à la fac, qu'elle a pas eu chez elle. Et du coup, tu vois, vraiment, elle a fait n'importe quoi pendant son parcours. Et après, elle se retrouve finalement, tu vois, en train de travailler aujourd'hui. Non, Donc, en fait, souvent, ouais. l'avantage qu'on a chez nous, dans le chaos, il y a toujours un truc bien. Une petite fleur qui pousse dans un champ de ruines. Ce qui est bien chez les Maghrébins, c'est qu'on ne peut pas mentir, nous. Quand une femme maghrébine est à la fac depuis 4-5 ans, elle, t'es sûr qu'elle est là, elle a des valeurs et des principes. C'est-à-dire, c'est très sérieux. C'est-à-dire, c'est sérieux dans les études. Bon. Nous, quand on n'est pas sérieux, on se fait remarquer dès la première année. C'est pour ça que dans les amphis, en médecine, en première année, il n'y a que des Arabes. En deuxième année, il n'y a plus un chat. Parce qu'on ne sait plus mentir. Bon. Après, l'important, c'est l'éducation. Moi, je l'ai toujours dit, tu vois la mère, tu vois la fille. C'est automatique, c'est des signes qui ne trompent pas. Moi, Ouais, je mais... l'ai toujours dit, moi le premier. Ça va pas être en concordance avec ma situation, parce que je le suis. Mais moi, mon père nous a toujours dit, à moi et à mes frères, je ne viens pas demander la main à vos femmes si ses parents sont divorcés. Il y en a Ouais, à qui ça va monter en l'air. D'autres, il y en a, ils vont trouver ça normal. Mon père, il me le disait à moi, ça. Pour lui, c'était un signe. Bon, okay. maintenant. Ce que je veux te dire, c'est que
essaye d'utiliser le cercle de la famille ou essaye de voir là où tu as grandi, s'il n'y a pas des femmes que tu connais. Après, non, les réseaux, frère, c'est la roulette russe. Ouais. Après, franchement, tu vois, par exemple, j'ai déjà rencontré, par exemple, tu vois, une voire deux personnes vraiment où tu sentais qu'elles n'étaient pas comme les autres, tu vois. Mais sinon, en fait, la majorité, par exemple, tu vois, moi, je travaille dans l'industrie. Et en fait, la majorité, en fait, de ces femmes. Mais en vrai, j'y pense. C'est toi le problème. Ouais. T'es lourd. En fait, ça doit être toi le problème. Quand tu leur parles, tu dois être un lourd dingue. T'es lourd. T'es un mec qui a besoin d'attention. En fait, c'est toi le problème. T'es un lourd dingue, frérot. Voilà, toi aussi. Mais si tu tiens, essaye, passe la deuxième. Fais quel muscle ton jeu, merde. T'es là, frère, déjà. Moi, un homme, tu me prends la tête. Imagine-toi une femme. Il faut donner l'envie d'avoir envie. Wallahi, frère, je te parle en vrai. Il faut la regarder les yeux. Il faut parler. Il faut monter en intonation, redescendre. Il faut la captiver. La captiver, non, frère. T'es lourd. Non. Non, mais après, franchement, enfin, je suis pas là pour me justifier, tu vois. Mais en fait, ce que je veux surtout dire, en fait, sur ça, là, en fait, c'est... Enfin, voilà, juste pour dire que la majorité, en fait, ces femmes-là... Voilà. Mais non, j'arrive, Bassem. La majorité, en fait, des femmes, moi, que j'ai rencontrées, en fait, de cette caste, comme je disais, en fait, je travaille dans l'industrie, et la plupart, en fait, c'est celles qui sont la beurette, en fait, de leur service, là où elles travaillent. En fait, c'est souvent, tu vois, moi, je t'ai dit, c'est souvent la meuf qui est cadre, et que dans son entreprise, que tout le monde tourne autour de la machine à café avec elle, autour de son cul. La majorité, en fait, elles sont comme... Elles aiment bien ça, en fait. Ouais. Et quand toi, t'es avec elles aiment bien encore se faire chouchoutes et tout ça, après, à un moment donné. Enfin, moi, ce que je trouve, c'est pas normal, en fait. C'est pas le comportement. Mais je les regarde même pas, ces femmes, moi, quand je suis au travail. Je les regarde pas, celles-là. Là. Comment est-ce que je sais qu'elle a la machine à café, vu que je la regarde pas? Ah, mais frère, moi, je parle pas... Je dis pas qu'elle est au travail avec moi, mais je veux dire, dans son travail... Dans son travail, c'est même. Dans son travail, c'est le genre de meuf, tu vois, qui est belle physiquement et que tout le monde tourne autour et qui aime bien se faire remarquer, en fait. Et moi, comme je t'ai dit, en fait, par rapport aux valeurs là où j'ai grandi, frère, ça n'existe pas. D'accord. Et en fait, c'est là où je suis dans ma recherche, là où il y a un problème, en fait. C'est quand je cherche, que je ne trouve pas, en fait, facilement le profil de fille qui correspond vraiment aux valeurs, tu vois, qu'on m'a inculquées, tu vois. Écoute, frère, rien n'est encore trop tard. Je pense que tu vas trouver, Inch'Allah. Moi, je pense que tu risques de trouver le 33 novembre à 25h12. Non, je rigole, non. c'est compliqué. Merci. Le plus important, c'est de conserver. C'est pas de l'attraper. Pour l'attraper, c'est bon, hein, tu fais le matérialiste et tu la rattrapes. Mais l'important, c'est de les conserver. Une femme, moi, je pense qu'il faut savoir parler avec elle et lui apprendre des choses. Comme elle peut t'apprendre des choses. Mais toi, tu lui apprends des choses. T'es là, tu parles de politique, d'histoire, de géographie, de complot. Tu dissèques un film avec elle. C'est comme ça, un échange. Moi, je pourrais pas vivre avec une bête, une stupide, une hamara de merde. Je vais lui dire, on va dans ce pays. Elle va me dire, c'est où? Mais je peux pas. Non, mais Il faut que juste après avoir fait du Chanel, juste après avoir parlé la langue de Goethe, Yavol, sur son torse, je parle avec elle de Révolution française, après du siècle des Lumières. Je lui parle de la Révolution industrielle tout en lui mettant un doigt. Ça pète, ça, c'est terrible. Tu sais, genre, t'es là, tu l'embrasses, elle te dit attention, ce soir, il y a. Ouais, et tout. C'est super bon, ça, joindre l'utile à l'agréable. On apprend en se dépensant. Putain, et en se faisant plaisir. Putain, c'est bon, ça. Je valide. Ah, voilà. Je valide. Tu valides. Allez, merci beaucoup, frère. Wallah el Adim, t'étais lourd. Ouh. Franchement, frère, essaye de. D'abréger. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Allô? Ah, voilà. Je valide. Allô? Salam.
Salam, ça va? Ouais, c'est Harry Potter. Bon, ouais. Allez, moi j'en ai marre. C'est écrit ici, c'est écrit ça. Vous avez pris un abonnement? Je sais pas. Non, allô? Allô? Allô, Salem? Ah, excuse-moi. Oui, bonsoir. C'est bien sur la radio de la chaîne? Oui, bonsoir. excuse-moi, c'est quoi le débat du jour? Alors, il n'y a pas de débat du jour. On voulait un peu réagir sur tout et n'importe quoi. De quoi tu veux nous parler? Je t'écoute. Bah non, en fait, je voulais savoir s'il y avait un débat parce que j'écoutais... Tu veux une clope juste... non, il n'y a pas de débat. Je t'écoute. Allez, dis-moi. Non, bah c'est dommage. Hein. Non, parce que moi, je voulais réagir au débat, mais si on n'a pas, c'est avec tu voulais... un peu compliqué. De quoi tu veux nous parler? Ben, je sais pas, en fait, le monsieur qui était juste avant, j'ai pas écouté au début de la radio, en fait, et j'ai vu qu'il parlait d'une femme et t'avais dit qu'il fallait la conserver. Non, je sais non, pas quoi, il avait du mal à trouver une femme, alors que c'est un mec qui travaille, c'est un mec qui a des valeurs, mais il est lourd, tu vois. Et, mais c'est un mec qui a des valeurs et tout, mais il n'arrive pas à trouver de femme. Alors, toi, est-ce que tu penses qu'il y a je peux des comprendre. Femmes. Voilà, est-ce que tu penses qu'il y a des ouais. femmes dans son cas qui sont posées, qui sont bien, mais qui n'arrivent pas à trouver d'homme? Franchement, ouais, de plus en plus. Mmh. Alors, il y a des femmes, malheureusement, qui ont été mariées, qui sont divorcées. Donc, celles-là, elles n'arrivent pas à trouver, donc c'est mort pour elles. Ouais, parce que généralement, les mecs, ils veulent pas, prendre des meufs qui ont déjà des bagages, quoi, tu vois. C'est dommage aussi, après, elle a droit à une deuxième chance. Bien sûr. Et après, non mais c'est bon, il y a les swags pour ça. C'est bon, inquiète-toi pas, ils sont là, ils ramassent et tous les restes et tout, bien, ouais. Donc c'est ça le problème. Après, il y a des femmes, ouais, il y en a beaucoup aussi qui, je suis venue vraiment à la dernière minute et j'ai écouté ce que t'as dit, c'était intéressant, dans le sens où il y a des mecs aujourd'hui et beaucoup. Toi, tu disais que par exemple, t'aimais pas les meufs, c'était des hamaras. D'accord. Et moi, je suis d'accord avec toi parce que pour moi, un homme, s'il est bête, franchement, c'est pas pour être méchante, mais je pourrais pas. C'est même pas question d'être cultivé, c'est question d'être bête, en fait. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, la femme a le droit, alors quand je dis ça, attention, c'est pas péjoratif, ouais. Mesdames et messieurs, attention, je précise. Ouais. Mais une femme, c'est mignon des fois quand elle est niaise. Je vais te donner un exemple con. Après, ça, il y a un degré. Je vais te donner un exemple con. Tu sais, un jour, il y a une femme, elle m'a dit ça, je lui ai fait l'amour sur place. Alors, on était en train de regarder un match de foot, c'était France et Angleterre. Et il y a un joueur en équipe de France, il s'appelle l'Anglais. Ouais, et le commentateur, il disait son nom. Elle me disait, mais c'est bizarre. Ce mec, il s'appelle l'Anglais et il joue pour l'équipe de France. Tu sais, c'était niais, c'était... Non, quand je dis ça, c'est vraiment les Hamaras qui connaissent rien à rien, quoi. Ouais, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, moi, j'ai relevé ce truc qui revient souvent, c'est qu'en fait, moi, il y a beaucoup de filles qui sont vraiment intelligentes, c'est-à-dire qui ont réussi leur vie, c'est-à-dire professionnellement et tout, et j'ai l'impression que le mec, il a du mal à accepter, en fait, les filles comme ça. En fait, j'ai l'impression qu'ils aiment bien les assistés de service, qui leur gratte de la thune, mon bébé, nanani, tu vois, trop gnangnan. Et celle, un peu la femme forte, en fait, indépendante, intelligente, cultivée, qui a réussi sa vie professionnelle, en Algérie, ils aiment pas. Ça, il faut m'expliquer parce c'est que j'arrive pas à comprendre. Pas, je cas... Non, c'est pas qu'ils aiment pas, c'est que je pense que c'est un enfin, profil... Ils ont peur. Je pense qu'ils ont peur. C'est pas qu'ils aiment pas, c'est qu'ils ont peur. Et c'est là où je dis vraiment, il y a de plus en plus de lâches, en fait. Parce que pour moi, c'est de la lâcheté masculine pure et dure. Je suis pas en train de te faire un discours girl power, je sais pas quoi. Non, non, rien à voir. Parce que moi, je trouve que c'est important. Parce que comme on dit chez nous, au Maghreb, quand tu te maries avec quelqu'un, il faut que la personne, elle te rapporte un plus. Tu vois le truc ou pas? Donc, c'est dans ce plus, c'est quoi? C'est, elle te rapporte un plus, c'est-à-dire que tnaurek, ça veut dire que quand tu t'es avec elle, c'est. Bien sûr! Bah oui! Bien sûr! Voilà, tnaurek, ça veut dire, voilà, c'est une fierté, ça veut dire, qu'elle te rajoute un plus, tu vois. Moi, je pense que c'est un travail d'équipe, en fait, un couple. C'est vraiment un travail d'équipe. Et moi, je suis désolée, à ces mecs-là, franchement, vous êtes des lâches. Pas dire autre chose.
pour être ils ont peur parce que une femme indépendante, voilà. Une femme intelligente, c'est pour eux. Ils n'ont pas le niveau. Après, c'est... Exactement. C'est... Ouais. Ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le level. Parce que moi, j'ai rencontré, tu vois, je le vois sur mon lieu de travail et tout. Et des fois, je vois des mecs, ils sont là. Ouais, mais elle se la pète. Mais pourquoi je me la pète hein? Mais pourquoi je me la pète hein? Pourtant, je ne me la pète pas. J'ai un discours normal. En fait, dès que tu as une bonne élocution, dès que tu as une culture générale, dès que c'est bon, ça y est, tu te la pètes. Ouais, ils sont là en train de te dénigrer, en train de trouver des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, parce qu'en fait, ils ont rien à dire, tu vois. Tellement qu'ils ont le seum, ils veulent t'inventer un truc. Et ça, ça me vénère. Ça me vénère parce que ça te dégoûte en fait de pas des hommes hein parce que putain sinon on serait dans la merde mais ce que je veux dire ça te dégoûte de certains comportements surtout je vais viser notre communauté quoi et j'ai l'impression que j'ai ça, l'impression que je suis d'accord avec toi je suis d'accord voilà, avec toi parce qu'ils font mais les machos y en mais a... ouais mais il y en a ouais elles abusent un peu aussi. Non, après oui, en fait. C'est relatif. C'est, ça veut dire, tu vois, enfin, ouais, écoute, on les reconnaît ceux qui se la pètent. Il y en a, ils se la pètent, ils ont rien dans le frigo. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, on les reconnaît. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu sens avec l'expérience, tout ça, tu sens avec un, tu les reconnais les gens. Tu les reconnais ceux qui se la pètent, ceux qui, bah, ceux qui sont normaux, quoi, qui sont comme ça, de nature, de nature. Et donc, du coup, voilà, moi, ça m'inquiète un peu parce que je me dis, putain, en fait, il faut être teubé, quoi, pour trouver un cum. Et c'est quoi ta, putain, un cum teubé. Et c'est quoi ta situation, alors, aujourd'hui, tu as quel âge? Est-ce que t'es en couple? Est-ce que... Non, moi, je suis séparée, en fait, justement, c'est pour ça, je parle aussi un peu en connaissance de cause, c'est que, voilà, aussi, moi, je suis une femme, je fais partie des femmes qui sont fortes. C'est-à-dire forte mentalement, tu vois, forte mentalement et ça plaît pas toujours au bonhomme quoi, enfin au mec quoi. Forte, qu'est-ce que ça veut dire forte? Bah forte dans tout, dans les épreuves de la vie. Voilà, j'ai beaucoup de patience, je prends les choses telles qu'elles sont, je vais travailler, je me lève tous les matins, je vais travailler comme tout le monde bien sûr, hein, voilà. J'ai un salaire assez confortable, voilà, je veux dire, quoi d'autre? Alors, quoi, est-ce que pour trucs, toi, alors, quoi, est-ce voilà, que pour, toi, alors est-ce que pour toi, c'est légitime que quand une femme est une femme forte, a forcément un caractère de merde? Je sais pas si tu es d'accord pas avec moi. Pas du tout. Ah, alors okay. Moi, bah justement, pas du tout, parce que moi, on m'a souvent reproché justement d'être trop, comment dire ça? D'être trop, je vais le dire en anglais, open mind, trop ouverte en fait. Moi, ça me dérange pas que si mon mari demain me dit ouais, je vais aller jouer au foot ou je vais me rejoindre mes potes. Pour moi, ça doit pas être un truc de fou. Moi, je comprends pas. D'ailleurs, ces meufs là qui sont là, qui font des crises de jalousie à tout va. C'est pas comme ça que tu vas régler l'histoire de ton couple. Moi, au contraire, j'ai besoin d'un peu de solitude. Elle nous a dit open mind, la sœur. Ah, c'est la sœur. Elle va chercher des muffins. C'est son Starbucks café, elle. Elle est aware. Elle est biconnect. Elle est. Non, mais on se news plus tard. Tu vois, les bah oui, non, mais c'est pas ça. Je te pète la gueule, moi. Non, mais c'est pas ça. Ça veut dire que moi, j'ai pas de souci avec ça. Au contraire, moi, j'aimerais bien que mon mec, il se casse de la maison, justement, parce que je dois faire mon petit gommage, je dois m'épiler, je dois faire mes trucs de meuf, regarder des recettes sur YouTube, tu vois, des petites séries à la télé de meuf, des trucs comme ça. Ou même moi, vice versa aussi, tu vois. Donc, celle-là aussi, je comprends pas. Moi, je suis très, voilà. Moi, je suis pour dans la communication. D'accord, et je suis pour la confiance, parce que si tu donnes pas la confiance, même si tu vas te faire, on va te la faire à l'envers, mais c'est pas grave. Au moins voilà, t'aurais essayé, t'auras fait, puis voilà, c'est tout. Bah, et tu moi sais je pense qu'il faut laisser une certaine liberté en fait. Voilà. Parce que sinon, ce qui est intéressant, c'est que je te jure que wallah, je ne doute pas un instant de quand tu dis il faut laisser. Toi je sais, ça se voit que t'es une femme qui a compris sa leçon. Parce que toi, ça se voit que tu es une femme. À 18 ans, tu devais être chieuse, tu devais être bonne, tu devais être belle, tu devais faire chier tout le monde. Et là, tu as compris que tu es dans la merde. Donc aujourd'hui, tu es là tout. En train... Franchement, alors... pas du tout. Je suis rien du tout dans la merde. Juste, franchement, je finis une chose. Je casse des briques. Je casse des briques. Aïe, aïe. Tu casses des... Ouh, là. Das ist die schöne Wiesheisen. Ouh, ya. Alors, attends, tu casses des briques. Explique-nous avec quoi tu les casses. La taille et le poids, s'il te plaît. Laisse-nous imaginer. Si t'es pas une bouteille d'oranginage, t'auras accroché.
Avec mon charme, tout simplement. Non, 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 on s'en fout de ton charme. J'ai la tchatche. On n'est pas dans le milieu humanitaire. Tu sais, il y a des mecs qui ont la tchatche avec les meufs. Ah bah ouais, moi, je veux dire que je fais partie des meufs qu'on a tchatche avec les mecs. Ouais, on fait pas dans l'humanitaire, nous. Alors, on aimerait voir la taille et le poids, juste histoire de s'imaginer un petit peu. En plus, on est au mois de novembre. Non, alors attends. Mais franchement, ça sert à rien. Ça. Non, wallahi, pour plus revenir, rassure-moi juste que t'es pas le congélateur qui donne des conseils de couple à sa copine qui elle-même n'a jamais été en couple. Non, quand même, non. Non, pas du tout. Non, on discute de tout. On a tous des expériences différentes, en fait. Non, il n'y a aucun jugement, problème. Je vais dire ton problème à toi, il est où? Si je peux me permettre, quand j'ai ton problème. Hein. Je crois en tout ce que tu me dis. Je sais que malheureusement, je sais que malgré tout, tu es une femme qui sait prendre sa place quand il le faut. Mais tu as le même défaut que moi. On s'exprime mal. Qui est? Et toi? Ah, pas du tout. Alors ah, attends. Pas du tout. Attends, laisse-moi finir, tu vas comprendre. Voilà, tu coupes la parole à un homme, s'il te plaît, laisse-nous parler. Donc, je pense que la manière dont tu parles très bien. Ça ne veut pas dire que quand je te dis la manière dont tu parles, le ton que tu emploies pour nous faire part de cette situation-là, les hommes aujourd'hui sont tellement des lâches qu'ils vont avoir peur juste dans la manière dont tu parles, tellement tu es sûr de toi, tu sais ce que tu dis. Les mecs, ils vont se dire, je ne vais pas pouvoir lui faire à l'envers et tout. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, ce qui fait ta force est un défaut. Mais ça fait partie de la lâcheté. Un bonhomme, c'est quoi un bonhomme? Un sidergel, comme on dit chez nous. C'est qu'il apprend toutes les situations, il est là, il apprend. Au contraire, moi je suis, je suis une femme, voilà. Mais demain, je serai un bonhomme. Franchement, je serai un bonhomme. Je vois les meufs de nos jours telles qu'elles sont, mais je serais heureux d'être avec une femme comme moi, sans prétention aucune. Bien sûr. Vraiment. Parce que Laroum, je vous parle très sérieusement. Wallahi, il y a beaucoup, ce genre de femmes, beaucoup. Elles ont ce problème-là parce que quand elles sont sûres d'elles, quand elles savent ce qu'elles veulent, et surtout, une femme, quand elle sait ce qu'elle veut, c'est qu'elle sait ce qu'elle peut rapporter, elle. Et vous avez peur de ces femmes-là parce que c'est vrai. Exactement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils disent dans la room? Là, je n'ai pas regardé un petit peu. Ils disent qu'il faut allumer la lumière pour un moment d'intimité avec toi parce que... Où on peut croire que c'est un collègue de travail qui nous parle le soir avec la voix grave que t'as, la voix autoritaire. Voilà. Quoi donc? Ouais, je suis très autoritaire, mais attention, si après t'as vu, franchement, après les commentaires, je m'en tape. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, moi j'ai une éducation assez stricte, tu vois. Donc j'ai pris des responsabilités très jeunes, d'accord. Donc ce qui m'a amené aussi à être un peu autoritaire à la maison. Je m'occupais aussi de mes frères et sœurs. Enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire? On nous donne cette position chez nous, tu vois. Enfin. Dans certaines cultures, hein, parce qu'il n'y a pas que nous au Maghreb, mais on nous donne certaines positions. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours l'image de la femme maghrébine, généralement, d'une femme forte et tout et tout. Après, moi, quand je dis forte, attention, j'ai mes faiblesses. Hein, moi, je pleure devant un film. Voilà, mais ce que je veux dire quand je te dis forte, c'est que, voilà, quand je te dis force, dans son ensemble, c'est quoi? C'est se lever le matin, c'est payer ses factures, c'est économiser pour acheter un appartement, c'est économiser pour partir en voyage, c'est économiser aussi pour vivre, un bon déroulement de life, tu vois, une organisation, tout ça. C'est ça aussi, la force, elle est là aussi. Vous voulez, ouais. Pas d'être assisté, demander un tel, j'ai pas, mon Dieu, comment je vais faire? Non, c'est ça aussi, cette force, tu vois. Et quand t'as des épreuves de merde, comme vous là. Vous voulez seulement être heureuse, et c'est vrai que les hommes fuient ce genre de femmes parce que des fois aussi tu t'en rends pas compte. Des fois toi aussi, ça se voit que tu prends le dessus de temps en temps aussi. De temps en temps tu prends le dessus, finis ton assiette, viens ici, mets-toi à quatre pattes, je te la mets. Ouais, non, toi ça se voit. Toi t'es le genre de meuf. T'es le genre mais de meuf, non, je suis au marché avec toi, je bois un caf avec mes potes, tu me HM devant tout le monde. Koum, ijatam wa lana, goutlouk n'hamla had, ma temchi, je fais le kawa. Hein, mais oula, t'es la fille de Leïla Trabelsi, toi. Non, je les déteste, les gens. Ouais, les très très délicieux. Mais pas du tout. Tu sais que moi, j'ai un truc, je déteste le scandale. Je déteste étaler mon linceul devant les gens. Moi, c'est à la maison, tête à tête. T'es sûre que t'es pas le genre de femme qui dit « Mon mari, Aina, un dakhlou fil habs. »
Wallah, in Non, pas du tout. Non, je suis pas. Non, ça, c'est ma soeur, quand elle dit ça, c'est qu'elles ont des choses à gratter. Moi, ça va, alhamdoulilah. Comme je t'ai dit, alhamdoulilah, je suis confortable. Tu vois ce que je veux dire? Je suis confortable, j'ai rien à envier. Moi, ce que je veux, c'est un vrai bonhomme. C'est pas compliqué. Un bonhomme. C'est-à-dire, on va le décrire. Qui soit, qui a du charisme, qui a une parole, même devant la bête, quand t'es menace. Je veux dire, un du karama, un du une parole. Tu vois ce que je veux dire? Il est là, il est bosseur, il est intègre, il est humble. Tu vois, des qualités. Après, oui, des petits défauts, mais pas des défauts aussi. Ils sont pas, ils font des lâches, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, c'est vrai, voilà, mais ça va être difficile. C'est compliqué. Mais moi, tu sais, je vais te dire un truc, hein. Pour conclure, hein, vraiment, franchement, ils aiment trop les crasseuses. Non, franchement, vous aimez ça. La vérité, bon après, Hachek, je te parle pas de toi personnellement, mais la plupart, ils aiment ça. Et après, ils se demandent, après, à la fin, comment, ouais, il y a que des putes, nanani, nanana. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des meufs bien, nanani, elles sont là. Il y en a, ils sont mariés, ils ont leur femme, elle est bien, elle est propre, et tout ce que tu veux, tout se passe bien, mais il est obligé d'aller voir ailleurs. Au bout d'un moment, faut arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ou mais ça, on après, le sait tous, que couple, les hommes, ouais, mais ils un vont couple voir aussi, ailleurs. Un couple aussi, ça... Ouais, mais moi, je suis désolée, j'en ai marre de l'excuse. Dès qu'il y a une embrouille, ouais, me fait chier, il va voir ailleurs. Hey, mais attends, c'est pas comme ça aussi, un couple. Un couple, ça se construit, hein. Ça se construit, un couple. Ouais, mais c'est l'homme, pas, c'est la nature de l'homme. Alors, c'est la nature de l'homme qui est comme ça, je suis d'accord, même s'il faut pas être comme ça. Mais... Comment est-ce après, que y a des... Jennifer ouais, Lopez, elle s'est fait tromper? Ça veut dire que toi, Fanta et Saoussen de la gare du Nord, elles vont pas se faire tromper. Allez, arrêtez vos conneries là. Allez, arrêtez. Moi, je pense qu'arrive un moment, je pense que t'es plein de bonne volonté, mais ouais, t'as un côté, patriarcal qui reprend le dessus directement. Une mentre religieuse. Pas du tout. Si, si, mais si. Moi, non, parce que dans mon travail, je suis manager. Toi, t'es un quarterback. Genre, voilà. Non, t'es un quarterback. Non, voilà, non. Franchement, à la maison, je suis une crème, je suis une vraie femme. Il n'y a pas à discuter. Je fais à manger, des trucs comme ça, il n'y a pas de problème. Après, c'est quoi? Dès qu'on est un peu autoritaire, ça y est, on dirait c'est l'armée. Mais non, une femme, il faut qu'elle soit un peu autoritaire. C'est quoi ça? Il faut qu'elle gère un peu la maison avec un peu d'autorité parce que les hommes, des fois, ils se laissent aller. Donc, il faut quelqu'un qui serre les vis. Mais les hommes, ils se laissent aller, je comprends pas. Je laisse mon survêtement par terre. C'est ma femme, elle est là pour ça. Ce que ça veut dire, tu vas me crier dessus, moi. C'est qu'un détail. Moi, tu vas crier dessus, tu vas me dire, ramasse ton... Moi, je le fais pas parce que je respecte. Mais moi, je fais partie de ces hommes où j'oublie mon survêtement. Bah, je vais dire, il est au sol parce que je viens de te prendre à l'instant, là. Mais toi, tu vas me dire, ramasse ton survêtement, tu laisses traîner tes chaussettes, mais tu fermes ta gueule, tu mets à la machine et tu me prends pas la tête pour rien. Je comprends pas, moi. Ouais, enfin, y a ça aussi non, qu'il faut après, voir. Voilà, enfin, Non, mais une fois de temps en temps, ça. Ouais, mais tu vois, ouais. Tu viens que sur des choses péjoratives. Tu vois ce que non, je veux dire? Non, enfin, des choses de la... des choses qui emmènent cette fracture. Des choses de la non, vie. Non, mais attends, par au bout Allah, d'un moment, écoute-moi. Je suis pas sa maman. Moi, je fais je pas la vaisselle. Je suis pas sa tutrice légale. Non, non, moi, non je suis pas sa tutrice légale. Pardon donc, ah, c'est là, comme ça que tu parles. Là, on voit ta vraie nature. Hein, tu es une veuve noire. Tu vas finir avec 8 chats. Voilà, c'est pour ça, là, on voit ta vraie nature. Moi mais non, mais même pour lui, il doit mais avoir non. ses affaires. C'est quoi cette mentalité? Non, mais en fait ça, c'est l'éducation. Moi, je fais tomber mes affaires. Quand tu bosses pas, tu t'essuies, non? Ah non, bah lui, c'est j'ai une douchette. Tu vas essayer des trucs. Je ouais, n'étale pas le Nutella, moi j'ai une douchette. Team douchette, levez la main. Oui. On applaudit la team douchette. Ouais. On applaudit la team douchette. Non, plus sérieusement, c'est que voilà, ouais. Je pense que moi demain tu fais à manger, je vais pas nettoyer la table, je vais prendre mon assiette, je vais le mettre dans le lavabo, mais je vais pas laver quoi. Je sais pas oui, si tu vois ce que je veux mais dire. Mais ça c'est rien ça. Moi j'ai l'habitude de faire la vaisselle depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Franchement ça c'est un détail. Je m'en tape quoi. Tu vois ce que je veux dire. Limite moi j'aime bien faire la vaisselle donc moi les trucs de ménagère comme ça j'aime bien gérer. Ça c'est mon domaine. Là, on discute même pas. S'il m'aide, bah, c'est super. S'il m'aide pas, c'est pas grave. Il est allé sur le canapé. Ça, c'est pas un truc de ouf parce que je le fais. Tant je qu'il fais paye. Tous les jours. Tant qu'il court. Tant qu'il paye. Ah, tant qu'il pose deux caisses voilà. sur la table, on dit pas non. Voilà. J'achète ma tranquillité.
Tiens, tais-toi. Non, je rigole. Dis non, combien non. Je suis en train de regarder un match. Dis combien. Arrête de me raconter ta vie de merde. De montrer ce que t'as acheté. Je m'en bats les couilles. Laisse-moi regarder un match. Raham Book. Montre-moi après. Non, on s'en bat les couilles. Voilà, voilà. Non, mais elle a des sœurs pour sa femme. Elle a des sœurs pour ça, bien. Ouais, je t'ai acheté un truc pour te faire plaisir. Mais je t'ai rien demandé, moi. Tu m'achètes une robe à fleurs. On dirait un pot pourri. T'es là. Un jour, ça arrive avec une robe à fleurs, avec un chapeau de paille et un pot pourri. Elle arrive vers moi, elle dit, tu penses quoi? Mais je t'ai rien demandé, moi, enfin, pourquoi t'as acheté pour moi, je t'ai rien demandé. Tu vois ça? Non, mais attends, excuse-moi, là je suis obligée de t'arrêter, tu vois. Ça, c'est typique la mentalité, tu vois, qui fait pas avancer les choses, tu vois. Même moi, mon mec aujourd'hui va me montrer chez ma cousine, je te fais économiser. Moi, je suis le genre de mec où t'as pas besoin d'aller au magasin. Prends ta bédaya, mets une tache de javel, déchire-la jusqu'au nombril et tu me rendras heureux. C'est tout. Rien à foutre, moi. Ouais, enfin, c'est ce que vous dites tous. Et puis après, j'en ai marre de cette schlag. Il faut une femme coupeuse, une femme coquette. Nous, on est des gens d'intérieur. On est des hommes du vestiaire, nous. Ah, voilà. Non, oui, bon. Après, voilà. Très bien. Alors, pour finir avec ça, je suis d'accord. Wallahi, dans tout ce que tu dis, il y a des choses, oui, bien évidemment, vrai. Les hommes préfèrent les femmes. Mais même moi, en tant que femme, je veux dire, c'est important aussi. Moi, je suis contre les filles qui sont négligées, hein. Qui sont là, qui se lavent pas, qui ont les cheveux en l'air, qui font pas leur dépilation, qui font pas de gommage et tout. Ça, c'est important aussi chez une femme. C'est même pas par rapport à ton âme, c'est par rapport à toi aussi, ton bien-être, ta dignité humaine. Bien sûr. Et ces femmes qui laissent leur mec porter deux jours son Léopoldo et après les pompes. Comment pouvez-vous entretenir des remèges? Moi, je pense que je suis tout à fait d'accord. Il faut tout se dire. Moi, je pense que dans le couple, il faut non. Non, quand ta femme écoute, elle pue, il faut lui si dire. Tu vois que c'est un mec, quand tu vois un mec, c'est un crasseux, c'est que sa femme, c'est une crasseuse. Ouais, c'est vrai. Comme on dit chez nous. Voilà, c'est vrai. Ma mère, elle a toujours repassé les chemises de mon père, d'accord. Elle les a toujours. Mon père, il était impeccable pour aller travailler. C'est la femme qui fait l'homme. C'est pour ça quand je te dis l'autorité, c'est-à-dire que la femme, elle doit gérer tout ce qui est casa. À la casa. Alors. Cours, c'est la femme qui fait l'homme, et on va en finir avec ça. C'est là où la sœur a la raison. Il y a un exemple au monde où c'est la femme qui fait l'homme. Quand je te dis ça, c'est... Alors évidemment, il y en a là. Ceux qui ont fait le hajj autour de leur iPad, ils vont dire non, dis pas ça, Non. Une femme, elle fait dans le jean et tout. Ouais, non. Victoria Beckham, t'as vu comme elle l'a trop. Elle a pris David en 96, il jouait à Manchester, fallait voir la tête de merde qu'il avait, le bonhomme. Victoria l'a pris, mais regarde ce qu'elle lui a fait, comment il est devenu. Tu sens que derrière, il y a le travail Victoria, de la femme. Moi, je la respecte. Ouais. Ah, je la respecte, non, Victoria. Victoria, elle a tout arraché. David, elle l'a gardé, elle l'a embelli. Embelli pour de vrai. Mais elle aussi, elle était pas... Elle aussi, c'était pas une frappe. Hein. Non, c'est pas une frappe. Elle est toute maigre. Non, la plus bonne, dans Spice Girl, la plus bonne pour moi, c'était la rouquine. Avec les grosses abeilles. Jerry Halliwell. Oh là là. Oups, banal. C'est sa mère. Yo, you wanna, à chaque fois qu'elle faisait you wanna, tu voyais pète sa mère, c'était la bonne époque. Non, mais merci, voilà, mais regarde, tu vois, Victoria Bing. Ouais, vas-y, ouais. Okay, merci de nous marche, avoir appelé, excuse-moi, c'est la pause. Merci beaucoup de ton intervention. C'est vrai, dans ce que tu dis, wallahi, on revient au sérieux. T'as raison sur plein de choses où je te rejoins. Ouais, écoute, c'est parfait alors. Prends soin de toi, à la prochaine. Merci d'être intervenu à la radio. Bonne soirée. Salam. Eh ouais. Bon, mesdames et messieurs, c'est la pause, on revient. Allez, hop.
Putain. Alors attends. Ouais. Ça va les gens, vous allez bien? La pause elle dure pas assez longtemps. Je n'ai pas le temps, moi. Je réponds à l'un, à l'autre et tout, elle est bien. Bon, ça va les gens, vous allez bien, les choses se passent. On est là, on est direct, on est en direct. Évidemment, demain c'est l'école, évidemment, c'est une mascarade. Allô? Oui, allô, c'est Maïkoum. Alkoum Salem. Ça va, Bassem? Ça va et toi? Alhamdulillah. Bon, je t'appelais pour réagir par rapport au débat de... C'était hier, je pense, c'était concernant les contrats de mariage. Mais juste avant, tu vois, dans le mille, j'ai vu la première partie et franchement, je suis trop d'accord avec toi. Ce qui est bien avec toi, c'est que tu cibles directement les problèmes. Ouais, nous, on sait plus tenir les conversations. En tout cas, pour les jeunes, moi, en tout cas, c'est vraiment mon problème et c'est le problème de pas mal de potes, de frères en tout cas. Quand il y a des discussions envers des femmes. Bon, c'est peut-être parce que maintenant on a perdu le filon, on n'a pas eu une transmission de connaissances par les anciens, mais voilà, c'était juste pour te dire que c'était vrai, je suis d'accord à 100% avec toi. Tu as quel âge? Ce mois-ci, j'aurai 24 ans. Et c'est vraiment vrai, vous souffrez de ça, vous parlez entre vous, vous dites... Vous n'arrivez plus à plaire aux femmes. C'est comme ça que non, vous touchez dans des Clio 2 C'est à cause de ça? Rien. Ah. Premièrement, moi, je suis quelqu'un sur la sunna. Je ne fais pas ce genre de choses, premièrement. Mais c'est vrai que... Non, mais après, moi, c'est peut-être parce que aussi, j'étais dans une famille où mes grands frères ils m'ont essayé de me mettre dans le dîme. Et du coup, je n'ai pas eu l'occasion de faire ça, de parler avec les filles. Mais même mes potes qui ont parlé avec les filles, je les vois qu'ils ont moins cette fibre de discussion. Qu'ont les anciens. Les anciens, ils tchatchaient mieux. Moi, après, c'est comme ça, on ne sait plus parler, il faut juste réapprendre. Tout est une question d'expérience dans la vie, en vrai. Il n'y a pas de, comme elle disait la femme avant, oui, je suis quelqu'un de fort, je fais ci, je fais ça. Non, c'est des femmes qui sont fortes, c'est des femmes qui ont de l'expérience dans les choses. Je pense que pour avoir de la discussion avec les femmes, je pense, Khil Aziz, que la première chose... Alors, il y en a, il me dit, frère Souna, il prie en direction de San Francisco. Non, mais non, le frère, bon, non, parce qu'il y en a, il dit Souna, mais... tu peux penser à... Ouais. Donc, je pense que la première chose que les hommes oublient, pour parler aux femmes, il faut être cultivé soi-même. Je pense qu'il faut avoir un minimum de culture générale pour pouvoir tenir une discussion avec une femme. Et peu importe son niveau, hein, même si c'est Nahmara, hein, il faut avoir ça. Parce que si tu maîtrises un peu la culture, t'arrives à parler de tout et de rien. Et c'est ça qui est bien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Harry. Allô? T'es avec nous? T'es plus avec nous? Ouais, vous l'avez fait fuir, Harry. Putain, j'allais lui poser la question, c'est comment les speak dating en forêt? Allô, Harry, tu m'entends? Tu m'entends plus, tu es parti? Dommage, Harry, dommage, dommage. Dommage, dommage, dommage. Bon, c'est pas grave. Allô? Allô, Salem. Salem. Tu m'entends, frérot? Oui, je t'entends. Ouais, je voulais te parler d'un sujet, là, vite fait, là. Allez, je t'écoute, mon ami. Vite fait. Je t'en souviens la dernière fois. T'as vu, il y avait un mec qui t'a appelé et te parlait, je sais plus quel jour, samedi ou vendredi. Il te parlait et tout, des signes de la fin du monde et tout. Et Miskin, il t'a préparé une feuille et tout, toi tu l'as raccroché comme ça à Annani, Miskin. D'accord. Donc t'es venu faire la justice et tout ici? Ouais, je suis venu pour dire, ouais, voilà, ça se fait pas ce que t'as fait. Mais non, je l'ai pas raccroché au nez, frérot. Et c'est que. Et écoute-moi, regarde, je vais t'expliquer une chose. Vas-y, dis-moi. Je l'ai laissé parler. Même si je te dois rien, je vais t'expliquer les choses. Ma mission, malgré que, elle est de ne pas laisser dire de la merde dans cette radio. Égarer les gens. Je me rends pas compte. Mais problème. Frère, je me rends pas compte, mais j'ai une responsabilité. Quand je vois que le mec, il patauge sur des sujets aussi sérieux que ça, rit, pardonne-moi.
si je le raccroche au nez. Je le raccroche au nez pas pour le hagar, frère. Ça m'appelle, écoute, par Allah, je me connecte. Des feuilles, tout, tout, non, alors. Frère, il a marqué des feuilles. Je me connecte à 8 heures. Des fois, je me connecte. Je vois à 8 heures Skype, il sonne. Je suis en live dans 2h30. Frère, moi, quand je veux passer dans une radio, je prépare des notes. J'essaye de... Moi, le bègue, je suis un bègue. J'essaye de ne pas bégayer. Quand je passe à la radio, j'essaye de ne pas faire le lourd. Je prépare mes sujets. Quand je veux parler de choses, je parle de vraies choses. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Toi, aujourd'hui, ouais, tu as retenu juste le fait que je l'ai raccroché au nez malgré que le frère... Ouais, malgré que le frère, il avait préparé des notes. Je suis d'accord avec toi. Non, mais tu sais pourquoi aussi ? Vas-y, dis-moi. Parce que Wallah, Wallah, je te dis maintenant, Wallah, Wallah, il avait raison. Il disait pas de la merde. C'est bon maintenant ? D'accord. Donc, rappelle-nous ce qu'il nous disait, le frère. C'est pas ce qu'il disait, il parlait... Comment tu sais pas ? Tu viens de jurer Wallah ? Attends, attends, attends. Wallah, il y a des trucs que j'ai déjà entendus. J'ai, à l'époque, quand j'allais à la mosquée, les vendredis. À l'époque, Wallah, quand j'allais à la mosquée, à l'époque, tu vas encore... Non, mais avant le corona, avant le corona. Avant le corona, ok. Ouais. T'as vu, pendant les vacances et tout, Wallah, j'ai déjà entendu genre ces paroles. Genre, c'est pas de la merde. Mm. Et pour dire, il y a des moments où tu fais écouter des gens et tout qui disent de la merde, tu leur donnes plus la parole, et il y a des gens qui disent beaucoup de trucs vrais, mais tu leur raccroches. Fais attention à ça, ça aussi, frérot, là. Bon, allez, je vais le prendre comme une nasiha, frérot, il n'y a aucun problème. Je vais le prendre comme une nasiha que tu m'as faite, il n'y a aucun souci. Aucune ambiguïté entre nous, frérot. D'accord. Je ferai attention la prochaine fois. D'accord, vas-y. C'est bon ? Je te suce à quelle heure ? Ouais, c'est bon. À quelle heure ? À une heure ? À quelle heure ? Non, mais tu rigoles, ouais, j'ai bon, pas envie de rire, moi. Wallah, j'ai pas envie de rire. T'es même pas, t'es incapable de nous dire. Raham Bouk, dis-moi ce qu'il nous disait, le frère. T'es là, tu fais l'Avengers. Dis-moi ce qu'il disait, le frère. Moi, je me rappelle plus de ce qu'il m'a dit. Hein. Malgré que je parle à 5000 personnes par jour. Voilà, donc voilà, donc voilà. Allez, allez. Merde, merde et merde. Merde. Allô. Salam, Bassem. Comment Salam, ça va ? Ça va et toi ? Ça va, alhamdoulilah. Moi, c'était pour parler un peu d'astronomie. Ouais. Donc, moi, j'aimerais t'exposer ma théorie sur les extraterrestres. J'y crois pas. Parce que Zebbi, soi-disant, les scientifiques, ils disent qu'il y a plus de, il y a plus d'étoiles que de grains de sable sur Terre. Alors, je me dis que l'espace, ça devrait être terroir, Zebbi. Depuis tout ce temps où on n'a rien, depuis tout ce temps où personne n'est venu nous voir encore aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai qu'il y a... Sachant qu'il y a des milliards et des milliards de soleils, frère. Tu comprends ? Il y a une information... Comment ça se fait qu'il n'y aurait pas une planète ? Eh ben ouais, mais je vais dire... La planète Terre, elle a 4,5 milliards d'années. Sachant que la planète Terre, elle a 4,5 milliards d'années. Comment ça se fait qu'il n'y aurait pas une planète plus âgée que nous, avec une technologie plus avancée que nous ? Tu vois ce que je veux dire ? Et il n'y a rien, Zeb, il n'y a rien. Donc, les extraterrestres, n'existe pas. Voilà. Toi, ça se voit que tu cherches un extraterrestre pour qu'il traîne avec toi dans la wagon. Toi, tu cherches Paul. Il fume des renoufs avec toi. Tu cherches. Non, mais je vais te dire. Rien à voir, rien à voir. Non, mais plus sérieusement, tranquille, frère. Énerve-toi pas. Énerve-toi pas face à l'univers, tranquille. C'est vrai que 4,5 milliards d'années, c'est l'âge approximatif de la Terre. Hein. On peut dire ça. C'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai quand il y a plus d'étoiles que de grains de sable sur Terre. Qui dit étoiles dit planètes qui sont autour. Qui dit planètes, il y en a forcément une, bordel de Bordeaux, qui devrait être habitable, qui devrait recevoir les mêmes conditions de vie qu'on a nous. Alors, nous, sur quoi on se base ? On se base sur la science. Et la science nous dit que techniquement, on l'a prouvé, nous, en étant à cette distance de notre étoile, en ayant de l'eau liquide, il peut avoir de la vie. La preuve, c'est ce qu'on a eu sur Terre. Mais dans les autres mondes, on ne sait pas comment c'est fait, frère. Mais je suis d'accord avec toi. Mais tu ne penses pas que depuis ces dernières années, depuis ces deux dernières décennies, il y a de plus en plus de séries sur les extraterrestres, de plus en plus de films sur les extraterrestres, de plus en plus de documentaires sur l'astronomie, etc., et qui veulent un peu endoctriner la population sur ce qu'il y a dans les étoiles, on va dire. Moi, je pense, ma théorie à moi, c'est que
Il va y avoir le nouvel ordre mondial. Et peut-être que tout ça, c'est fait pour préparer le terrain. Je pense que si moi, j'ai une question à te poser. Un jour, on voit des extraterrestres dans les nuages. Ouais, non, moi, j'ai une question à te poser, frère. Ça sera un être humain qui sera dedans. Ok, moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses pas qu'ils nous ont déjà visités, les extraterrestres? Ils sont déjà venus. Peut-être qu'ils habitaient. Peut-être. Hein. Ils habitaient sur Terre bien avant nous. C'est eux qui ont fait les pyramides. C'est vrai qu'avec les peintures qu'ils ont dessinées au 12e siècle, au 11e siècle, avec des objets volants à côté des anges, dans les nuages, etc., il y a des indices comme ça. Mais moi, il faut que je vois pour que je croie. Tu vois ce que je veux dire? T'es comme Saint Thomas, toi. Tu crois ce que tu vois. Alors, mon ami, permets-moi de te dire... Je crois en Allah, tu vois. Je suis musulman, je crois en Allah. Ouais, mais je veux dire, ces objets-là, frère, ces trucs, ces extraterrestres, là, j'y crois un peu moins, tu vois. Toi, on t'a converti au 6-9 à Koé. On t'a converti, on t'a tiré au sort, frère. Voilà, tu me dis, tu crois ce que tu vois. L'œil, il est trompeur. Quand tu vas dans le désert, tu peux voir un mirage, tu peux voir de l'eau. Donc l'œil, il est trompeur. Il faut faire attention. Mais on peut se poser des questions. Comment ça se fait? On ne nous a pas visité, mais il faut plutôt se poser la question. Peut-être qu'il y avait une civilisation, et ça, j'en suis sûr, beaucoup plus intelligente que nous qui avait ici. Je pense. Ouais. C'est possible, après. L'alignement des pyramides, c'est des genoux qui l'ont fait. Et c'est pas possible. On ne peut pas se déplacer à cette vitesse, avec cette précision. Il y a beaucoup de gens qui disent comment ils ont fait pour mettre les pierres les uns sur les autres avec des coupes parfaites. Ma théorie, c'est que c'est les géants qui les posaient et les genoun, ils les traçaient. C'était des genoun sur commande numérique. Ils traçaient. Mais il y a une rumeur qui tourne en ce moment. Apparemment, les Égyptiens étaient forts en coffrage et ils utilisaient 4 planches de bois pour pouvoir mouler leurs pierres. Ils faisaient du coffrage, incroyable. Dans leur ciment maison, tu vois. Incroyable, ils faisaient du coffrage. Alors, j'ai encore mieux. Ils étaient très forts en géométrie aussi. Exactement, j'ai encore mieux. Ils connaissaient le nombre pi. La muraille de Chine, tu sais que l'enduit pour mettre les briques, c'était du riz. Avec le riz, tu fais même du béton, Zabi. Le riz. Tu manges, tu bois le saké, tu manges du riz, mais tu fais du béton. Oh là, ils savent faire des sushis, ces bâtards, et ils t'ont fait une muraille de Chine. Il faut pas dire ces bâtards, nos amis les Chinois. Mais je rigole. Ouais. Mais voilà, non, mais c'est très intéressant. C'est vrai qu'on peut se poser des questions. Non, mais t'es pas d'accord avec moi, en vrai. Il devrait y avoir plein de signes visibles, on va dire, sachant le nombre de soleils qu'il y a dans l'univers. Tu vois ce que je veux dire? Et il n'y a rien, on trouve rien. T'expliques ça comment, toi? Alors, il y a deux solutions. Soit il n'y a vraiment rien, ce qui m'étonnerait. Ou soit on veut nous cacher des trucs. Ou soit j'ai oublié de te dire que le Coran dit tout. On a déjà la réponse. Ouais, exactement. On ne nous parle pas d'extraterrestres. Eh oui. On ne nous parle pas d'extraterrestres. Eh ben, tu sais quoi, Bassem, t'as hâte de m'avoir... Merci, mon frérot. Merci d'avoir intervenu sur le sujet. Big dédicace à toi. T'es un bon, toi, Selem. Allez, Selem. Prends soin de toi, Selem. C'est très intéressant, ça. Allô ? Allô, salam alaikum. Alaikum, Selem. C'est pour parler d'un sujet. Je t'écoute, mon ami. Moi, je vais te parler des jeunes qui sont diplômés, qui n'arrivent pas à trouver de travail parce que les vieux prennent leur place. Ouais. Tu parles de ceux qui veulent pas partir à la retraite? Ouais, non, pas forcément. Même ceux qui sont pas expérimentés, des jeunes qui sont diplômés, qui trouvent pas de travail. D'accord. C'est ton cas? Tu es concerné par ça? Moi, je prends en connaissance de cause. Ouais, ouais. D'accord. Eh ben, explique-nous un peu. Bah, moi, j'ai fait une école d'horlogerie à Genève. Et moi, j'arrive pas à trouver de travail parce qu'ils prennent des darons qui ont fait de l'esthéticienne. Comment? T'as fait une école dans... Genre, tu travailles pas dans les montres, tu répares pas les montres. Ouais, non, là, je trouve pas de travail, là. Ouais. D'accord. Je travaille à l'usine en attendant. Tu habites en Suisse? Non, j'habite en France, à la frontière, dans le Jura. Et tu vas travailler en Suisse? Non, en France, là, pour le moment, je t'agirai pas trop dans les gens. Mais c'est quoi l'école que t'as fait? C'est une école à 3 francs, là? C'est une école où pendant 6 mois, ouais, c'est une école à 10 000 francs, quoi. D'accord. Mais t'arrives pas à trouver.
Ah, c'est vrai que ça doit être un secteur qui est assez bouché et c'est vrai que peut-être qu'on préférait la dextérité de femme. Ouais, voilà, c'est ça le truc. Moi, tu vois, j'ai payé une école à 10 000 francs pour 6 mois, puis je trouve pas de travail, t'as vu. Oh. Ouais, c'est intéressant ça. Quand tu dis 10 000 francs en Suisse, Ouais. c'est l'équivalent de... Je sais pas, je connais pas le franc suisse. Allô? Allô? Comment ça c'est qu'on... Allô, allô? On l'entend plus le mec. Bon, on t'entend plus. Bon, je sais pas. Ouais. Allez. Plus 32, tiens, la Suisse, tiens. Allô? La Belgique plutôt. Allô, Baflamme? Allô, la Belgique. Ouais. Ah! C'est le Il premier est là, belge. notre ami. Ça va? Ça va, mon pote? Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends impeccable. Allez, mon pote, il est Nachal, là, Allez. envoie la sauce. Ouais, je vois un peu là que c'est du n'importe quoi et qu'on prépare pas ces sujets, donc voilà, je relève le niveau. Déjà, je voulais parler par rapport au frère d'avant sur l'extraterrestre, là, qu'il a un peu fumé trop, à mon avis. En fait, je sais pas si tu connais le paradoxe de Fermi. Non, eh ben explique-moi. Je sais pas ça. En fait, c'est les scientifiques qui ont fait cette hypothèse-là, en fait, c'est que est-ce que si les extraterrestres existaient, est-ce que ce serait bien de savoir qu'on est là? Et est-ce que ce serait mieux que eux nous trouvent ou que c'est nous qui les contactons, tu vois? C'est ça le paradoxe de Fermi. Et en fait, c'est vrai que quand on se dit il y a toutes ces planètes, toutes ces galaxies, c'est forcément qu'il y a une vie quelque part, mais une vie extraterrestre, ça ne veut pas dire une vie avec de la technologie, avec des voitures volantes, tout ça. Ça peut être une bactérie, ça peut être une larve, ça peut être un microbe. Et seulement, le truc, c'est que si on veut aller, par exemple, à la galaxie la prochaine, par exemple, qui est la plus près de nous, C'est Andromède? voilà, elle est à plus de 140 000 années-lumière. Donc, ça veut dire qu'à la vitesse de la lumière, il faudrait 140 ans pour y aller. Alors, si on... ça, c'est la galaxie la plus proche. Mais si tu prends les plus lointaines, est-ce que, par exemple, la civilisation humaine, elle a plus de, je sais plus combien de milliards d'années, enfin, l'humain en tant que tel. Mais est-ce que la civilisation aura le temps de développer une technologie qui permet de voyager à cette vitesse-là? Et seulement si elle y arriverait, est-ce qu'elle vivrait assez longtemps pour y arriver? C'est ça la Tu vraie penses que question. malgré la vitesse de la lumière, il y a des galaxies qu'on pourra pas trop atteindre? Bah, y en a qu'on ne pourra jamais atteindre, parce que même ne serait-ce qu'atteindre la vitesse de la lumière, c'est physiquement... enfin, C'est comment ferait le corps impossible. humain pour résister? Ouais. Ouais, on pourrait pas Il résister à des vitesses résistera pas. pareilles. Voilà. Et c'est Et pour ça que je vais c'est rebondir là. un bel euphémisme, c'est-à-dire c'est un doux euphémisme, j'ai envie de te dire. Que voilà, on s'intéresse à ça, on est passionné, mais on sait qu'on n'y arrivera jamais, quoi. Ouais, c'est une utopie parce que je sais bien que tu connais l'aérospatial, tout ça, l'univers. Je sais pas si tu sais, mais sur les sondes pionnières, ils ont envoyé des disques en or avec nos coordonnées, pas où situé notre système solaire, où était située notre planète. Je sais pas si tu es au Alors, courant de ça. Voyager 1, qui a été lancé en 76, il est sorti du système solaire depuis 2012. C'est grâce à Voyager 1 qu'on a eu les images de toutes ces planètes-là. Et lui, il erre dans la galaxie interstellaire. Il erre, il va errer à vie. Et il y a toujours le CD qui est dedans et tout. Mais le CD, il sert à rien. Mais bon. Dans CD, on rappelle qu'il y a Bienvenue en plusieurs langues, il y a le plan de la Terre dans la galaxie, genre on peut nous Il y a des trouver. bruits C'est de un la Terre, Waze. il y a des Ouais. bruits d'oiseaux, Il y a des bruits d'oiseaux, il il y y a a le bruit des du gens vent, comment tu ils vois. parlent, ils te montrent à peu près comment on est et tout. Ouais. Et depuis 2012, il erre. Ah yeah. Il a fini sa mission. C'est pour ça qu'on a envoyé le 2. Ouais, c'est ça, voilà. Et donc par rapport à ça, je voulais aussi rebondir au vrai sujet auquel je voulais parler, donc j'ai un petit peu préparé. C'est que on va parler de ça, mais en même temps de l'actualité vite fait, quoi. Enfin, on va parler du coronavirus et tout ce qui nous arrive, mais sans vraiment en parler, si tu veux. Parce que il faut savoir que dans la vie et dans l'univers, aucune énergie ne se crée et rien ne se crée, tu vois, à partir de rien. C'est-à-dire que tu peux pas gérer de l'électricité ou une force à partir de rien. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que si tu veux, tout est cyclique. C'est-à-dire que tout a un commencement et tout a une fin.
Alors on entend des théories du complot, ouais, ce qu'ils veulent c'est faire ça, ce qu'ils veulent, nanana, ce qu'ils veulent, nanana. Mais ma théorie à moi, c'est qu'on arrive un peu au bout de tout, tu vois. Parce que regarde, je parlais de ça avec ma femme, mais j'ai trouvé un super exemple. C'est que à l'époque de tes parents ou de mes grands-parents à moi, il n'y avait qu'une façon d'éplucher une pomme. Aujourd'hui, tape sur Google éplucheur de pommes, et ben t'as des commandes numériques pour éplucher des pommes, ça t'enlève le trognon, ça remet le pépin, voilà. Donc en fait, si on réfléchit à ça, quand est-ce que dans le milieu de l'épluchage de pommes, quand est-ce qu'on va atteindre le c'est quoi, ça va être quoi la prochaine révolution pour éplucher des pommes? Alors cette histoire, ça va être éplucher des pommes avec la pensée. Non mais frère, c'est un bon exemple. Alors à ce compte-là, doit-on être réfractaire à toute technologie? Bah oui et non. J'ai envie de te dire, que seront devenues nos mamans si elles devaient aller laver à la rivière nos affaires encore? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça fait une tarte aux pommes. Exactement. Exactement, je suis d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il y ait une limite. Parce que, en fait, ce qu'on va faire quand on aura été loin dans l'épluchage de pommes, c'est qu'on va revenir à l'ancienne. C'est qu'on va prendre un couteau, on va éplucher notre pomme. Et en fait, quand je voulais dire qu'on est au bout de tout, c'est que quand tu regardes l'immigration, quand tu regardes le système économique, aujourd'hui, tu as des stars, elles versent du champagne à 15 000 euros à la bouteille sur un disque d'or. Donc l'argent, il ne vaut plus rien aujourd'hui. Tout ce qui est migratoire, c'est, on arrive au bout parce que quand chaque être humain aura fait le tour du monde, qu'est-ce qu'on pourra faire de plus? On ne pourra rien faire de plus. Et en fait, ce qui nous arrive, c'est un peu comme la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il faut un genre de recommencement parce que c'est un bordel sans nom, tu vois. S'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce que... Là où t'as pas tort, c'est que moi, je crois un petit peu au néant. C'est-à-dire, moi, je me dis, et c'est pourquoi je reste positif, je me dis, on pourra toujours reconstruire sur un champ de ruines. La preuve, on l'a déjà fait. Bien sûr, ouais. J'ai envie de te dire que là où je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'on arrive au bout du système. La preuve, on a tout essayé. Les hommes avec les hommes, voilà. Les hommes avec les animaux, les hommes avec les enfants. Parce que l'homme ne se satisfait plus d'une femme. Il est arrivé au bout de son cheminement. Voilà. On est arrivé au bout. On est au bout du cycle. Je suis d'accord. Oui, c'est vrai. Voilà, et puis, c'est un peu dans tout, parce que tu peux me prendre n'importe quel sujet, par exemple les voitures, tu peux me prendre même le football, tu vois, toi qui aimes bien ça, tu connais vraiment bien ça, moi un peu moins, mais je veux dire, ça va être quoi la révolution dans le football? En parlant de révolution, Wahrani de Palma qui me dit « Bouton reset comme la Nintendo ». Mais t'as pas tort, grand. On attend le grand reset. C'est ça. Le grand reset. Retenez bien cette phrase. Le grand reset viendra après les opérations Ronce. Attention, ça arrive. Je vous le dis. Bien sûr. On va revivre l'époque des résistants. Réunion secrète. Vous allez voir ce que je vous dis. On attend le grand reset. Exactement. Ouais. Parce qu'il y a plein de signes comme ça qui le montrent. Regarde les réseaux sociaux. Par exemple, je prends cet exemple-là. À la base, c'était quelque chose qui a été créé pour le peuple, quoi, pour libérer la parole et pour avoir accès à des informations que tout le monde ne peut pas avoir. Et qu'on voit aujourd'hui, c'est exactement la même chose que la télévision, quoi. Déjà, Internet a copié beaucoup la télé, donc aujourd'hui, on retrouve beaucoup la même chose. Et en plus de ça, c'est devenu la même censure pour quelque chose qui, au départ, était pour libérer la parole. Et, tu peux prendre ça pour les réseaux sociaux, tu peux prendre ça pour tout. C'est, voilà, ça commence, ça se passe bien, et puis on arrive au bout du cycle, et puis ça redevient, on repart à zéro, quoi. C'est comme tu dis. Et si je prends l'argent, par exemple, on nous a sorti... J'entends plein de gens sur ta radio parler du Bitcoin. Mais il faut savoir que le Bitcoin, les banques en rachètent aujourd'hui. Donc, ceux qui pensent qu'ils vont s'émanciper économiquement grâce au Bitcoin, ils se mettent le doigt dans l'œil. Maintenant, tu peux échanger du Bitcoin contre de l'euro, contre du dollar. Donc, le Bitcoin, il n'a plus aucune signification, quoi. Il n'y a pas d'émancipation, puisque ça va finir quand même dans les caisses des banques. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec toi. Je te rejoins sur plein de trucs. Mais je pense qu'on doit être... Même dans... au courant de ça, et je suis d'accord avec toi, c'est un cycle, tout a une fin. Oui, c'est vrai. Mais de la manière dont ils la préparent, moi, ce que je peux leur reprocher, c'est que ils le font pas naturellement. Ils ne laissent pas arriver la fin naturellement, ils l'accélèrent. Ouais, bien sûr, c'est un calendrier, ouais. C'est un calendrier, et exactement. Je m'intéresse vachement à l'actualité française, parce que j'ai encore de la famille là-bas et tout.
Et il faut savoir que sur la gestion de la crise en ce moment, sur certains pays, parce qu'on voit bien qu'il y a d'autres pays qui gèrent très bien ça et d'autres non. Et en fait, c'est pas une question de gestion de crise sanitaire, c'est une question de qu'il y a des hommes politiques qui sacrifient leur économie pour leur peuple et d'autres qui sacrifient leur peuple pour leur économie. Donc, c'est-à-dire que ceux que vous voyez comme la Suède ou la Norvège qui gèrent très bien la crise, eh ben, c'est des gens qui, enfin, des dirigeants qui sacrifient leur économie pour leur peuple et pas leur peuple pour leur économie. Et en fait, ce qui se passe en France, j'entends souvent des commentaires genre, oui, on va ruiner la France, tout ça. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a l'aéroport de Paris qui est en train d'être vendu. Et plein de, les jardins de Versailles, par exemple, qui sont en train d'être vendus aussi en Chine. Et il faut savoir que là, vu la gestion comme elle est faite, ce qui attend la France dans 4-5 ans, c'est le même sort que la Grèce. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous dire que vous gérez mal la crise, que ça va être de votre faute. Vous allez voir qu'aux prochaines élections, on va vous dire qu'il va falloir faire un effort. Et voilà, c'est toujours les mêmes qui vont faire un effort, évidemment. Et puis ça va commencer à brader toutes les richesses françaises, l'industrie française, tout ce qui est un peu riche au terroir, on va dire. Et du coup, à un moment, il faudra tout vendre, quoi. Et il ne restera plus rien de la France. Ce sera là, comme en Grèce, il y a peu de temps de ça, quoi. C'est déplorable ce que tu nous dis, et wallahi, c'est vrai. Moi, je te rejoins sur plein de trucs. Je te rejoins surtout, et pour finir, sur pomme rainette et pomme d'api, bon type. En tout cas, t'es un bon. Ouais. Sois la bienvenue à chaque fois que t'as envie. T'es un bon. Merci beaucoup de ton intervention. Merci, je te le répète, tu es un bon, mon frère belge. Prends soin de toi, on se dit à la prochaine. Lui bien. Allô ? Allô ? Oui, Salem ? Allô ? Oui, Salem ? C'était pour passer pour le live, si c'est possible. D'accord, de quoi tu veux nous parler ? C'était par rapport au sujet de coronavirus, tout ça un peu. D'accord, donc ne bouge pas, on va te mettre en relation. Allô? Ouais, allô, frérot? Allô? Allô? Alors, oui? Tu voulais passer en direct? Je t'écoute. Ouais. C'était pour parler par rapport au coronavirus, tout ça un peu. Ouais, y a pas de problème. Sois la bienvenue. D'où est-ce que tu nous appelles? Paris. Paris, bon, comme si c'était une évidence. Hein, le Parigo en puissance. Y'a que Paname. Il m'a pas dit les autres. Allez, dis-moi, je t'écoute, mon ami. Ouais. Je peux lancer une petite dédicace pour des potos HEP ou pas? C'est bien sûr, c'est normal, bien sûr. Ça fait plaisir. Bah, dédicace à Liberta, Archibald, le sang de la veine, Atox, bougez même pas à la famille, vous êtes dans le cœur. De toute façon, ils sont autour, là. Mais bon. Tu leur envoies des mandats, eux? Mais jamais de ta vie, déjà, c'est la haine, je vais pas leur envoyer en plus. Mais ils sont dans mon cœur. Mais c'était par rapport... Pourquoi tu te dédicaces si tu t'envoies pas de mandat? En fait, tu veux montrer aux copines qui suivent que Bassem, tu connais des voyous qui sont heps. Hein? Bassem, tu vas te calmer, je m'énerve pas. T'es un fake, toi. M'énerve pas. Toi, t'es un fake. Non, voilà, je vais parler sérieusement, c'est toi qui me coupe la parole. Laisse-moi parler, t'inquiète. Mais non, s'il te plaît. Je te coupe la parole. Laisse-moi parler, t'inquiète. Bassem. C'est à toi qui fais l'émission. Bassem, lève la main. Bassem, lève la main. D'accord, lève la main. Là, je vais te sortir mon paf. Allez, barre-toi de là. Allez, voilà. Allez. Allez, petit con. Allô? Salam alaikum. Khatab, bon, au moins, on a une valeur sûre. Allez, Khatab, salam alaikum, ça va? Bon, je me permets d'appeler rapidement. Parce que allez, rapide, hein. Allez, Khatab. Non, c'était pour rapidement, parce que la dernière fois, tu avais parlé avec tes frères concernant le fait qu'on parlait souvent, mais qu'on proposait jamais rien de concret. Dans l'entraide, hein, tu parles bien. Donc moi, je me permets de proposer quelque chose. Après, bon, tu me dis ce que t'en penses, si tu me dis que ça sert à rien, si tu me dis que ça c'est dérisoire et que c'est pas nécessaire, il n'y a pas de problème. Mais je propose après propose toujours. Donc, moi, je donne mon avis en personnel. En fait, moi, j'appelais parce que je pensais à une chose. Pourquoi ne pas créer, en fait, des structures, enfin, ou du moins une structure, un peu partout en France, en fait, et faire, si tu veux, un système de tontine. C'est ce que font beaucoup de personnes de la communauté
sénégalaises, maliennes et tout. Et même les Tunisiens, ils faisaient ça un temps, tu sais, quand ils font... Enfin, nous, je sais que dans l'Or, par exemple, les Tunisiens, ils ont fait un système, c'est le Bekalat, je crois, c'est en fait, ils récoltaient de l'argent entre Tunisiens, quoi. Et en fait, ils ouvraient des épiceries, en fait. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le Nord, t'as beaucoup d'épiceries, et souvent, c'est les Tunisiens qui tiennent ça. Parce que c'était, entre guillemets, une entraide communautaire. Moi, alors, en fait, c'était surtout la question... qu'on n'avait pas le choix, nous, les Tunisiens. On pouvait pas ouvrir de bar à licence 4. Seuls les Algériens, ils pouvaient le faire avec. Ouais, voilà, il y avait voilà, et chaque nous, communauté. On nous a laissé les petits hanouts, c'est pour ça qu'on dit on va chez le tutu. Le tutsi. Ouais, ouais c'est ça. Bah, en fait, beaucoup de Tunisiens ont des épiceries, ouais. Tiens, donc, en fait, j'ai envie de te poser une question, Ratab. J'ai vu un reportage sur une espèce. Alors, j'ai vu un excellent reportage sur le Sénégal et justement la diaspora sénégalaise dans le monde. Tout l'argent qu'elle envoie, elle envoie à un cheikh. Et ce cheikh, apparemment, c'est un mec puissant, ouais, c'est un mec bizarre. Les mourides. Ouais, je crois, ouais. C'est les mourides, ouais. Ils envoient tout à... Ouais, c'est une secte, quoi. Ouais, je vois, ils envoient de l'argent à... Je crois que le truc, ça s'appelle Touba, je crois. Ça, voilà, le cheikh que j'ai vu parler, il me faisait penser à vous savez qui, les gens Skippy. Les inconnus, quand Skippy ouais, avec ses bagues en fer, ouais. Bah, ah, je parle justement des kangourous. Bah, ouais, c'est une famille, il y a lui, je crois qu'il y a une autre secte, c'est les Khadim, je crois que ça s'appelle. Ils sont aussi au Maroc, à Fès en plus. Et Tidjana, bref. C'est pareil, c'est une grosse secte en fait qui est très qui a implanté un petit peu partout et en fait ils envoient de l'argent au grand cher, enfin bref. Et bon, moi je reviens à ce que je disais, donc en fait. Et à ce qui paraît, c'est plein de chirques. C'est plein de chirques. Ah oui. Et en plus, c'est des grosses familles multimillionnaires depuis. En fait, tous ces adhérents leur envoient de l'argent et c'est des sommes de fous, hein, tu vois. C'est vraiment, c'est des mecs, ils sont multimillionnaires, tu vois. Et bon, moi je voulais parler de ça. Donc, pour revenir à ce que je disais, en fait, ce serait de créer un fonds propre où en fait chaque personne, donc par exemple, chaque personne en fait devrait mettre un minimum de 50 euros par mois. Jusqu'à 200, 300, 400, selon, bien évidemment, selon les moyens de chaque personne, bien sûr. Hein. Donc, mais il y aurait un minimum de 50 euros à verser tous les mois. Et par exemple, dans le nord de la France, ben, il faudrait réunir, je sais pas moi, 400 personnes, en Belgique, 500 personnes, à Lyon, 600 personnes, sur Paris, 800, bref, un peu partout en France, en Alsace, etc. Et à ce moment-là, tout cet argent, donc elle servirait, si tu veux, à faire donc des projets viables avec une implication de certains, donc pour des projets qui pourraient se faire concrètement. Donc chaque mois, en fait, on pourrait faire une espèce de commission où en fait les gens présenteraient des projets novateurs. Après, je dis une bêtise, ça pourrait être dans la restauration, le bâtiment, aider des frères, des sœurs qui chercheraient justement à acheter du matériel, tu sais, pour les gens qui sont dans le corps médical ou divers métiers, diverses entreprises. Après, j'ai dit ça parce que c'est ce qui m'est venu là à l'idée tout de suite, mais ça pourrait englober tout type de métier, et voilà. Donc en fait, et à ce moment-là, bon, ça pourrait créer de l'embauche, je pense. Alors, je sais pas. Tu veux nous dire du travail intracommunautaire? Si je dois être tout à fait honnête, oui, parce que... Oui, alors, Ratab, qu'on commence, non, qu'on commence pas, après, déjà. Attends, mais justement, j'hésite à te le dire, parce que je sais que les gens mal intentionnés pourraient se servir de ça pour, entre guillemets, nous le reprocher. Mais c'est pour ça que j'hésite non, à non, te non, le dire, en fait. Non, je voulais pas te dire ça. Mais... Moi, je voulais te dire, si tu veux qu'on fasse du commerce intracommunautaire, déjà, il faut commencer à ne plus dire cette phrase. Non, moi, j'ai une moto achetée, mais je vais l'acheter chez un blanc. T'es malade, je vais l'acheter chez un robeux. Il y a trois cartes grises à faire. Justement, un exemple.
Justement, et c'est pour ça que j'en reviens au fait que plus il y aura de personnes, plus forcément tu vas, on va pas se limiter. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont excellents et sont bons dans divers domaines, et qu'à un moment donné, justement, ça peut, on peut trouver de tout. Donc, comme tu dis, s'il y a quelqu'un qui, moi-même, je connais des gens qui sont garagistes, mais qui vendent, par exemple, de très bonnes occasions, que ce soit des motos, des véhicules, des voitures, des camions, etc. Ça peut aider. Donc, je pense qu'à l'échelle, on va dire, par exemple, je dis une bêtise, hein, si on arrive à regrouper, donc, au moins par région, 300, entre 300 et 500 personnes par région, à l'échelle nationale, et que derrière, on peut être entre 5 000 et 10 000 personnes, à faire en sorte, en fait, qu'on puisse apporter de l'argent nécessaire pour construire des projets viables, hein, je dis bien, et instaurer une règle. Wallah, il a dit, Khatab, même ma montre, ouais, elle me dit, levez-vous, bougez un peu une minute. Même ma montre, elle me dit, levez-vous, Bassem. Oh putain, incroyable. Bah, ouais, bah Khatab, et alors, il y en a, ils disent, Khatab, il passe, tu perds 1K, je m'en bats les couilles. Khatab, il est avec nous depuis le début. Il nous casse les burnes depuis le début, il restera après, avec nous. Moi, voilà, après, ça veut dire cette histoire. Je propose, les gens disposent. Mais après, on ne pourra pas me reprocher de ne pas avoir pas de problème, Khatab. Proposé. Ça roule. Et donc, en fait, après, bon, bien sûr, il y aura des critères à définir, bien sûr, et bien précis. Donc, comme je disais, voilà quoi, chacun aura un montant à verser, donc pour engraisser l'organisme. Alors, bien sûr, il faudra encadrer cet organisme. Si d'aventure ça devrait se faire, je dis bien. Donc, avec des avocats, des juristes, comptabilité propre, vraiment un truc nichen, tu vois, pas un truc fait un peu n'importe comment. Donc, moi, maintenant, je propose ça. Aujourd'hui, t'es quelqu'un qui a de l'audimat, entre guillemets. Tu es quelqu'un qui est suivi. Je pense qu'il y a un tas de personnes qui ont envie de s'émanciper, ne serait-ce que comme je t'entends souvent parler dans ta radio, qu'effectivement, toi, ça ne te dérange pas qu'il y ait des blancs communautaires qui refusent, par exemple, de prendre des noirs, des maghrébins. Oui, alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, ce qui est rageant et ce qui est très énervant, c'est que dans certains métiers, ok, tu veux pas, t'es blanc, t'es franco-français, tu ne veux pas engager de maghrébins ou de noirs, mais alors pourquoi vouloir travailler avec ces gens-là, mais pourquoi ne pas vouloir les engager, tu vois? Et ça rejoint aussi le fait qu'à un moment donné, il faut pouvoir s'organiser, mais en faisant les choses propres. C'est-à-dire, si c'est des gens qui sont là juste pour prendre des thunes, alors, et dans tout ce que je viens de dire, évidemment, c'est sans rébat, etc., hein, c'est sans intérêt, etc. Donc, il faut vraiment que ce soit de l'argent qui soit réinjecté et qui soit de l'argent tout simplement fait par les personnes qui veulent faire partie de ce projet. Donc moi, je propose ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Si tu penses que c'est quelque chose de viable. C'est une utopie. On est là pour s'entendre, pour ne pas s'entendre. Hein. On s'est toujours entendu pour ne pas s'entendre. Je préfère voir ma communauté dans l'entraide. Je sais que dans l'entraide, ils sont là. Après, commercialement, entre eux, peut-être qu'ils ne sont pas là. Mais ça, on s'en fout à la rigueur. Mais c'est une utopie, Khatab. Wallah l'adim, frérot. C'est une utopie, ça. C'est une utopie. C'est pas possible. Bah non, c'est pas une utopie. C'est pas une utopie. Et d'ailleurs, le bon nombre de nos parents l'ont fait. Là, le seul problème, c'est qu'à l'époque, qui a dit l'Aït Khatab Club? L'Aït Khatab Club. Pourquoi vous dites ça, les gens? Mais tu vois, on en rit. Mais tu vois, c'est ça le problème avec nous. C'est que dès qu'il y a quelqu'un qui va mettre quelque chose sur la table, toi, tu vas me dire c'est de l'utopie. Là, tu vas se mettre. Et c'est pas pour ça qu'on n'avance pas. C'est pour ça qu'on est toujours les derniers. Parce qu'on se rit de nous, on se discrédite tout seul. Là, c'est une utopie, ça marchera jamais à partir du moment où une communauté se métisse, c'est mort. Il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien. C'est tout. Il faut arrêter, Khatab, il faut arrêter de parler pour rien dire. Pourquoi le commerce intracommunautaire... Attends. Pourquoi le commerce intracommunautaire juif, gitan, arménien, turc, marche bien entre eux parce qu'ils se métissent pas. Ils sont communautaires. Ils se métissent pas. Donc laisse-moi terminer.
Là, tout à l'heure, par exemple, tu as vu, quand je t'ai dit, je veux pas nommer nommément les choses. Mais même tu me dis, effectivement, nous, les Turcs, par exemple, ici, effectivement, ils font du... Mais ça, le fait de faire du commerce entre eux, parce que principalement, ils sont doués pour faire des affaires dans telle activité ou dans telle activité, mais ça les empêche pas non plus de faire du commerce avec les autres communautés musulmanes ou non musulmanes. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas une question d'utopie ou de pas être utopique, mais à un moment donné, si déjà on met une barrière avant même d'essayer de commencer, alors effectivement, ça sert plus à rien de parler, comment ça sert plus à rien d'avancer, ça sert plus à rien de proposer. Comment est-ce que t'expliques, parce que t'es mauritanien, t'es un Hassani, ça veut dire tu fais partie du grand Maghreb, hein. Ouais, applaudissez les bebeux. Ouais, Bassem, tu viens à chaque fois la Mauritanie. Ouais, Bassem. Ouais, alors, bon, enfin, bref, bon, c'est pas tu sais ouais, très ouais, bien, ouais. Tu sais très bien, Khatab. Tu sais très bien, quand tu me parles de ça, tu me dis, les autres communautés, elles travaillent avec les autres communautés. Oui, certes, mais moi, je te le dis, je reste persuadé de ça, tout part de là. À partir du moment où une communauté se métisse, il n'y a plus de commerce intracommunautaire. Ouais, mais le métisse reste ça une minorité, plus. En réalité. Non, ouais, mais c'est une minorité, mais qui... C'est une minorité qui jette de la poudre aux yeux à la majorité. Ouais, mais dans le com. Après, bon, il n'y a pas de problème. J'ai fait que proposer. Je m'attendais aussi à ce qu'on me prenne pas au sérieux. Il n'y a pas de problème. Mais je pense que notre problème, il vient de là. C'est que je crois qu'il y avait un frère une fois, le frère qu'on appelait le frère de Beuge, pareil, qui avait appelé. Bon, je peux comprendre que certaines personnes dans la radio, par exemple, disaient ouais, mais ça sert à rien. En fait, notre problème, il est là. C'est dès qu'on veut faire quelque chose, et ben tout de suite, on est négatif. Tout de suite, on met la barrière de on ne peut pas aller plus loin puisque de toute façon, on ne peut pas s'entendre entre nous. D'accord. Alors, d'accord. Alors, je suis d'accord. Il y a la massification. Communauté. Je suis d'accord avec toi. Il y a la massification. Alors, dis-moi si au Maghreb, la communauté asiatique, la communauté, je sais pas, je prends des exemples, la communauté gitane, juif, la communauté turque, la communauté. Ce sont des communautés qui se prêtent de l'argent entre eux sans riba. Ouais. Nous, est-ce que tu as déjà vu un Maghrébin prêter une somme à un autre Maghrébin, déjà d'une sans riba, et surtout par pur souci de communauté? Énormément. Je n'ai jamais vu ça. Énormément, et tous les jours. Mais, comme tu l'as bien précisé tout à l'heure, c'est de l'entraide naturelle. Par rapport à l'endroit où tu es et avec les gens avec qui tu as grandi. Donc forcément, on va pas les crier sur tous les toits, mais ça prête à mort et ça prête à bloc. Mais c'est pas organisé, c'est tout. C'est juste que c'est pas organisé. Mais il y en a oui, énormément, il y en a beaucoup. Que nous, et d'ailleurs, les tontines dont je te parle... Oui, sauf que nous, on prête quand on est dans la merde. On va pas prêter pour qu'il ouvre un truc, non. On va prêter parce qu'il a une dette. Il est dans la merde. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'on est généreux, on est des poires. Ouais. Les Maghrébins, alhamdoulilah, on a un cœur comme ça parce qu'on a du habeb, on a de la kebda nous. Wallah l'alim, on a de la vraie kebda. On est des gens qui avons d'un vrai cœur. Et comment t'expliques, Bassem, qu'on construit des mosquées à 5 millions, 6 millions d'euros et qu'on arrive à trouver ces sommes-là en 3 mois? D'accord. Alors, et qu'on me dise pas, parce que je suis désolé. Alors, je suis d'accord avec toi. Les Turcs, en France, ils ne sont pas si nombreux que ça. Les communautés dont on a parlé ne sont pas si nombreuses. Donc, il y a ce problème de massification qui fait qu'à un moment donné, c'est difficile de s'entendre et c'est difficile d'avancer. Je ne suis pas en train de le renier, c'est très compliqué. Comme tu as dit, tu vas faire du business avec des gens de ta communauté, tu vas faire les choses carrées, l'autre il va arriver en retard, il va dire « ouais, je dois récupérer mon fils », tu vas lui dire « ouais, mais attends, moi j'ai besoin de toi à telle heure pour là », il va commencer à dire « ouais, mais lui, il commence à stagbar, il commence à me faire chier », l'autre il va venir, il va... Je vois très bien ce que tu veux dire par là, je l'entends, je le sais. Moi, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est qu'à un moment donné aussi, pour avancer, quand il faut mettre les moyens, on sait les trouver. Moi, explique-moi comment ça se fait qu'en France, on arrive à trouver des 5, des 6, des 7, des 8 millions pour faire des mosquées où les gens ne vont même plus prier. Explique-moi. C'est bien qu'à un moment donné, on a des possibilités pour être sérieux.
c'est bien qu'à un moment donné, il y a des facultés et il y a des choses qui ne trompent pas pour pouvoir s'organiser. Moi, je suis désolé, il y a des mosquées, frère, aujourd'hui, même dans le Nord, à Paris, peu importe, frère, voilà, des sommes en un mois, en deux mois, surtout pendant le mois de Ramadan, frère, ça sort des 4 millions, des 5 millions. Il y a des gens qui versent des 500 000, des 30 000, des 40 000. Non, il y a moyen de s'organiser. C'est pour ça que moi, je sais très bien qu'il y a des difficultés à s'entendre. Mais après, depuis le temps que tu me suis, parce que là, je vois des petits bâtards, là. Je vois des petits bâtards. Depuis le temps que tu me suis, penses-tu pas, Khatab, que j'ai pas envie de dire la prétention, j'ai la légitimité de dire que je fais partie de ces gens-là où je rêverais d'une économie intracommunautaire. J'en rêve. J'en bave. Tu sais ce que ça veut dire? Moi, le premier... On n'a même pas une banque. On est 10 millions, on n'a même pas une banque. Mais, comme tu l'as dit, j'ai envie de voir. Mais, wallah, Khatab, je suis le premier à rêver de ça. Les gens ne savent pas. C'est pour ça que je t'en parle, en fait. Les gens ne savent pas. Mais Alish, je vais acheter que chez mes cousins. Allah, il est témoin. Même si le paquet de pins... Ouais, même si le paquet de choco, il est à 30 boules. Je préfère aller là-bas qu'aller chez Leclerc ou aller ailleurs où tu vois des gens... Ça fait 390 euros. Et de toute façon, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. C'est pas parce que à un moment donné, tu vas faire tes courses à Auchan que derrière, tu ne peux pas aider à la prospérité dans ta communauté. C'est pas le problème. La question est, moi je t'ai dit, ça fait quand même longtemps qu'on est en France. Enfin, quand je dis qu'on est longtemps, je parle de nos parents. On est quoi, la quatrième, cinquième génération presque, cinquième presque. Donc je dis bien, comment ça se fait quand on n'a pas une banque? Une banque, on l'a pas. On est 10 millions. On n'a pas une banque. Parce que le problème, c'est que il y a des entrepreneurs maghrébins sérieux, mais il y a Khatab aussi des moments où on a une autre chance. Et puis, merde, je vais prendre deux exemples. On a essayé dans le passé. Qui c'est qui s'en rappelle de Mecca Cola? Oh, la douille. Alors, euro sera reversé à la Palestine pour chaque bouteille achetée. Oh, on n'a jamais vu ça. Et il y a Khalifa Airways qui ont planté des familles entières. Ouais, mais ça, enfin, c'est des... Attention, Khalifa Airways et tout, c'est des familles. Non. Attention, c'est des gens qui sont déjà... alors, déjà, ils ont un niveau où ils ont toutes les connaissances ministérielles déjà au bled. Donc, ils ont tous les laissés-passer. Ils ont toutes les facilités pour. C'est des gens qui sont dans le business depuis longtemps. Et s'ils sont dans le business des pays, dans les pays, enfin, ils ont des PME, PMI nationalement parlant. Donc, c'est des gens qui sont mondialement, ils ont ce qu'il faut, tu vois. Moi, je te parle juste au petit niveau. Moi, je te le dis. Encore une fois, les millions, on sait les trouver quand il faut construire des mosquées. Ou d'ailleurs, moi, tu sais, il y a même des fois des gens, subhanallah, ils vont pour demander un logement ou etc. dans les jamaa et tout, on leur donne rien. Alors qu'il y a des studios, il y a des appartements libres, on le sait et tout. Ils donnent pas, ils privilégient pas. Tout simplement parce que la personne, elle a un petit revenu ou c'est un cassos ou une miskine, il y a un peu perdu la boule, pardon. Mais quand il faut trouver de l'argent pour construire des mosquées, eh ben, voilà, ça sort des cas. Et ça, je l'ai vu plus de 10 fois. Les 4 millions, les 5 millions, on s'est les trouvés. Mais le problème, c'est que c'est toujours les mêmes personnes qui dirigent, en fait. C'est pour ça que... alors, ça peut être le CCIF, l'UOIF et toute cette clique-là. Mais je suis désolé, ces mecs-là, c'est des... Voilà, c'est des commerçants, ces gens-là. C'est des... Ouais. Voilà, ils ont su trouver le filon de l'islam. Ça fait gagner beaucoup d'argent, hein, c'est faut dire les choses. Mais moi, je te parle à un petit niveau, on est capable de faire beaucoup de choses. Regarde les Marocains en Belgique, comment ils sont organisés. C'est très bien. Ils sont en place, les Marocains à Bruxelles. Ils sont en place, bien sûr. Ils sont en place, c'est un truc de fou, tu vois. Ils sont en place. Après, ils travaillent avec les autres, ils travaillent aussi entre eux, mais à petite échelle, ils ont su s'organiser. Mais nous, en France, on est 8, 9, 10 millions. Une banque, on ne l'a pas. Une banque, sans ne serait-ce que 120 péris, on ne l'a pas, tu vois. Après, voilà, moi, je propose... C'est vrai, Khatab. Je vois que tu as de l'audience, mais je savais pertinemment
que nous, notre problème, c'est dès qu'il y a quelque chose, dès qu'on propose quelque chose, déjà nous-mêmes, on se met des limites. Ouais, non, ça ne va pas marcher. Et c'est comme ça depuis que je suis tout petit. On est comme ça. Très bien. Mais très bien. Moi, je pense qu'il faut avancer un petit peu. Bravo, Khatab. Très bien, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce débat-là. Je vais te laisser, mon frère. Repasse quand tu as envie. Vas-y. Prends soin de toi, mon frère Khatab. Et tu es toujours le bienvenu. Vas-y. D'un bon Khatab. Ouais, c'est un bon. Et alors, c'est un bon. Mesdames et messieurs, voilà. Donc, il faut vraiment se poser la question. Il faut vraiment essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je m'adresse aux grands de la room. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les petites chez nous? Quand je dis les petites chez nous, c'est les petits de la TH. Aujourd'hui, n'ayons pas peur des mots, il faut absolument qu'on appartienne à une même communauté qui s'appelle la TH, qui est extraordinaire, qui est cosmopolite, qui mange ensemble, qui meurt ensemble, mais qui nique pas ensemble et qui se mélange pas ensemble. Il faut absolument arrêter de se plaindre, il faut qu'on donne l'exemple, il faut qu'on aide tous ces gamins qui en veulent. Sur la tête. Wallah. Alors, je paye toujours mes dettes. Aujourd'hui, je passe à la caisse. S'il vous plaît, soyez très sérieux quand je dis ça. Hier, je n'ai pas mis d'argent dans la boîte à shirk. Aujourd'hui aussi. Dites-moi combien je dois et wallah l'adim, je mets. Soyez objectif. Moi, je pense à 12 balles, un truc comme ça. S'il vous plaît, alors on va désigner un huissier officiel dans la room qui va noter ce que je dois. Soyez fair play, soyez franc. Combien je dois à la boîte Tachirik? 13 balles. 13 balles, 15. 13 balles. 20 balles. 13 balles. Bon. Bon. Pour le doute, 20 euros dans la boîte à shirk. Voilà. 20 euros dans la boîte à shirk. Voilà. Maalish, c'est pas grave. On reste comme ça. Mesdames et messieurs. Alors attends, comment ça se fait qu'il marche pas le micro? Fait chier. Ah, il s'est débranché. Il s'est débranché le casque. Maalish, il s'est débranché. Mesdames et messieurs, on revient demain. Allez, applaudissez-vous. Wallah, vous êtes top. On revient demain pour une nouvelle radio. Peuple Saber en enfer. Restez branchés, restez connectés. C'est vous qui faites la radio, on est là. On est tous ensemble. Et on dit à demain, Inch'Allah. C'est ça, c'est là, directement. TH Pub, si tu veux, Khadem, si tu veux. Voilà, là bien, tu sais où nous trouver. Big dédicace à vous. J'essaye de faire un sujet, mais les gens, ils répondent pas au téléphone. Je sais pas ce qu'ils ont. Ils perdent leurs moyens quand ils passent avec vous. Bande de Hayawan. Et franchement, merci d'être là. Vous êtes un soutien pour tout le monde. Sachez bien que vous ne le savez pas, mais quand vous vous connectez dans cette room, vous êtes chez vous. Parce que moi, je vois les commentaires. Maintenant, vous vous parlez entre vous. Et vous vous cherchez même. Tiens, il n'était pas là, lui, hier. Il est là. Oh, ça va? Bien et tout. C'est ça, mon but. J'aimerais être un sebeb pour vous. Un sebeb, ça veut dire une occasion de vous rencontrer, de parler, de s'entre-déchirer, de piner, de... Voilà, quoi. Merci à vous. Wallah, vous êtes au top du top. Wallah, moi aussi, je vous aime bien. Et n'oubliez pas que je suis Bassem Ta'na. Je suis Bassem à vous. Bassem Ta'na. Voilà, là, bien. Big dédicace à vous. Salam alaikum les gens.
pas un boulot pour moi. Ok, alors on appelle Morbulo. Ok. Ciao, en italien. Ciao, come sta? Alhamdulillah. Ça va, ça va. Vous les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. Viens donc avec moi sur le...